Ouais. Bon, je vais acheter une voiture à 1,2 million, les gars. C'est laquelle? Attends, je guette. La Ignus. 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 Ouais, Fabiola. Oui, ça va. Ça va, tranquille, dis-moi. C'est vrai. Je t'ai appelé pour savoir. J'étais pas censé avoir des nouvelles aujourd'hui. Parce que là, il te manque que le mec qui te contacte, c'est ça? Bah, il me faudrait pour le pétrole et la cette coque et voiture de les feuilles, bébé. quoi. Ouais, le champ, oui, il va repousser là. Et le gars et là, le reste, c'est un gars, il va te contacter. Ouais, c'est okay. Un gars va me contacter, ok. Tu sais sous combien de temps? Non, t'es fou, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Dans tout cas, le champ là, il a pas repoussé ouais, encore. C'est un genre de lambeau. Il va prendre beaucoup de temps à repousser le champ. Voilà laquelle, toi? Ah, moi, quand je mettais Inus, ça mettait ouais, une tutu. Fabiola, de me demander, il va pas pousser parce que tu m'appelles. Hein. Je sais, je me doute, mais bon, c'est que toi, tu peux voir un petit peu où sont les plantations. Parce que sinon, si tu me dis où ils sont, hein, moi, je vérifie. Hein, dès que c'est fleuri, voilà. C'est énervé. Ouais, demain, il sera là. Demain, il sera là. T'inquiète pas. Je t'envoie la pause. Ok. Ok, okay ça marche. Vas-y. Ok, merci. De rien. Bref. Je veux la Ignus. La Ignus quoi? J'ai même plus. Super sportive. C'est où? Super sportive. Ouais. Celle qui coûte 1 000, hein? La Emirus, tu veux dire? Non. C'est quoi ça? Ignus, c'est... Ignus. Elle est où en haut? T'as un numéro de modèle? Super sportive. Le numéro, frère. C'est la 6e voiture du catalogue Super Sportive. Vas-y. C'est bien ça, R3. Exactement. 1 million. Attends, merde. Allô? Ouais. 1 150 000. Je te ramène un peu plus avec les taxes, je sais pas quoi là. 1 200 000, vas-y, ramène 1 200 000. Ouais. 1 125 000. Allô, ouais. Ouais, c'est comment là? Eh. Hey. C'est comment? Quel bail? Eh. Hey. De quoi c'est comment? Y'a quoi? Eh, hey, t'es ma cousin. Là, je suis dans ma cuisine, t'as capté? Ouais. Cuisine, j'ai tout. Mais non, c'est pas genre en mode. Les machines, maintenant, il manque les assiettes, il manque les trucs pour faire démarrer. Mais je les avais placés. Et quoi, je suis le SAV des labos, moi? T'es pas boulanger, toi. Ah, cousin, démerde-toi. T'as vu, prends la machine, mets-la dans ton cul. Et peut-être elle va marcher. Ah. Eh, les gars, sub goal, 5000 subs, live IRL ou live cuisine, je sais pas encore, ça dépendra comment, avec Nabil et Blaise. Hop là, j'avais oublié sa grand-mère de vous dire. J'avais oublié. Ok, je vais essayer un bail. Vas-y les gars, on dirait que je suis... J'inspire et j'expire et je sais pas. Oui, je sais pas. Okay. J'annule le vocal. écoutez, j'ai des. Bah, c'est normal, hein, j'ai des fans, c'est comme ça. Quelqu'un d'influent a de l'influence et des gens qui le copient. Wesh, les gars, par contre, niquez pas le sub goal direct. Wallah, vraiment, je dis pas ça pour faire genre. Ouais. Non, t'as vu, il est mini. Vraiment, ça me casse les couilles, après, y'a plus. Les faites durer un Maxence, merci mon frère pour les 25 subs, Zoy, merci pour les 5 subs. Oh, allô. Frérot. Allô. Hein? Ah ouais, excuse-moi. Frérot. Eh, fais vite, t'es pas là dans 5 minutes, je sais pas, je vais te faire quoi. C'est drôle toi, tu m'as fermé. Vas-y. J'arrive.
Ce genre de modèle-là, tu le doutes bien. Ça arrive pas du jour au lendemain en claquement des mains. Ça prend un moment avant que non, je te passe. Non, ça c'est ma sœur, ça. Ça c'est ma sœur, ça. Ça c'est ma. C'est ma sister. T'es où? Je parle à ma sœur. Tu permets ou. Ouais, dis-moi. Moi, je te disais, c'est un véhicule super sportif. Je n'ai pas tout le temps en stock. Arrête, dis-moi pas, c'est sous commande, je vais tout baiser. Vas-y. Non, je peux te l'avoir plus vite, mais il y aura un petit bonus à payer. Bien drôle. Ça vous fait une semaine, tu l'as en 2 jours. Et pour l'avoir aujourd'hui, combien? Tu sais ou pas, Lobo? Attends 2 secondes, je prends le fiche. C'est 1 212 000. Exactement. Vas-y, 1 150 et je l'ai aujourd'hui. Faites pas les fils de pute. Hein. Bah, le bonus est déjà 1 150, c'est normalement pour les 2-3 jours d'attente. Merci Carter, merci Vince, merci Maxence demain, pour les 25 matin, subs. Merci mon frère. Merci pour 1 150. Ou alors sinon 1 212 000 et c'est là dans la soirée. Là. Dans une heure. On se dépêche. Dans une heure, je le veux maintenant mon frère, maintenant. Maintenant! Eh ben, on arrondit à 1 250 000 et je vais la chercher tout de suite maintenant. 1 200 000, on va la chercher maintenant, les gars. Attends, ouais, franchement, tu peux la chercher maintenant, c'est que. Hein. Allo? Allo? Ramène 1 200 000, 1 200 000. Ah, c'est ça, c'est vas-y, ça que j'ai pris. Vas-y. Merci KPR, merci Yankee, merci encore KPR, merci Vinx. On est à combien de subs? Après, c'est vrai, c'est 5-4, donc ça va, on est loin. Ok. Sera ? T'as une pièce d'identité ou pas ? R3. Non. Ah ouais, sa pute de mère, le fisc, l'iris ou la syphilis ou je sais pas quoi là. Ouais. L'IRS pour toi. Monsieur Larden Bishop, c'est ça ? Je suis au casino là avec Salty, on est en train de voir s'il n'y a pas des trucs à faire. Je suis au casino là avec Salty, on est en train de voir s'il n'y a pas des trucs à faire. Merci Maxence pour les 50 subs frérot. Merci, voilà on est ensemble comme jamais. Merci c'est mon frère, bon merci. Augmente un peu le sub goal, non. Ouais. Fais-moi payer. Eh les gars, combien de modèles de clés? Un seul. Allez, gars, tu crois qu'à 6 heures, tu vas me la prendre, fils de pute, voir. Pas qu'à 6 heures, crois-moi. Mais tu je vais mettre dans mon propre garage, à m'en bats les couilles. T'as même pas de garage. J'en prendrai. Merci, mon gars, t'es un bon, je t'ai mis une petite main là. Ah ouais? Tu me mets mon cul. Mais moi, j'aime pas les gens qui vous copient. J'aime pas qu'on copie. Regardez ce que je lui ai fait, moi, ce tas de merde, hein. Il m'a pris pour un putain de voiturier, regardez ce que je lui ai fait. À quiconque qui se fera passer pour mon fils, hein. À quiconque, hein, vous pouvez passer le message, hein. Moi je vais devenir fou, hein. Ouais, je vais devenir malade, hein. Tu la cherches, là. Vas-y, parfait. Fais papier, puis rendez-vous. Eh, prends-moi en photo, là, de ton bureau. Tu dis merci. T'as un Life Invader de ton conseil, ou pas? Ouais, on en a. Bah vas-y, tu mets merci à l'Arden Bishop, a.k.a. R3, qui vient de faire l'achat d'une voiture à 1 million. 400 000. Et pour prouver, hein. Ouais, 1 400 000. C'est toi, tu dis ça avec ta grosse veste, grave moche, là. Eh, Maxence, merci, les gars. Merci pour les subs. On est ensemble comme jamais. Merci, mon frère. Tu m'as un bon message bien propre, hein. Non, je fais ça pendant la soirée. C'est bon. Vas-y. Eh, moi, j'en ai marre, t'as vu. J'ai un rendez-vous. Mais comme ça, dans la soirée, pas maintenant. Faut envoyer ça au patron. Au big patron. Hein? C'est le patron qui gère le Life Invader. Ah, ok. Vas-y. Et dis-moi, la cargaison, c'est toujours bon ou pas? Bah, il y a une émeute à la frontière. Ah, tu veux qu'on s'en occupe? S'en occupe pourquoi? L'émeute, elle est voulue ou pas voulue? Ouais, vas-y, on s'en occupe tout de suite. C'est parti. Vas-y, ramène ma voiture juste qu'on boucle ça. Ah, j'ai pas fait de like. Ça arrive ou pas, mon petit loup? 9 likes. Vas-y, parfait. Qui ça? Vas-y, Larden, viens.
impeccable, ce genre de bolide, ce genre de réussite. Gros gamos, hein, t'es le seul qui envie les jaloux. Sache-le, tu seras le seul possesseur de ce véhicule là. Norme. Ah ouais, personne va le d'autre va l'acheter. Non, la tête de ma mère, sûr. Non. Voilà, Maji. Non, c'est ça. C'est une forme de réussite. C'est une forme de pour prouver. Vas-y, mets-toi devant voiture là, on prend le photo. Eh, les gars, moi je prends pas ça pour elle, pour flamber, pourquoi hein. Rien à voir, hein, mon frère, rien à voir, hein. Ça c'est pour, te dire que même toi, t'es un mec comme toi, qui sort de la rue, un clochard et tout, tu vois, en mode de... T'as vu, tu luttes, hein, t'as une ta barre mal taillée. Tu peux faire comme moi, tu peux. Bien sûr, bien sûr. Elle ne compare pas à des clochards, s'il te plaît. Ah, quand même. Combien? Achète une voiture à 1,2 million. Bah alors bouge pas, hein. Bah bouge pas, voilà. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Bouge pas, bougez pas, monsieur. Vas-y, vous êtes concessionnaire, ça compte pas, mon frère. M'en bats les couilles. Il va me la sortir. Même moi, je peux abuser si je veux. Hein. Je vais sortir un tank, je vais tout baiser. Moi. Mais t'es concessionnaire, ta grand-mère. Tu t'es juste voiturier, tu la gares. T'as trop la rage. Ah bon? T'as trop la rage, mon Ardenne. Vas-y, prends-moi. On n'oublie pas, t'as vu toujours le signe de Norwatts, même si là, ils sont en train de nous niquer la réputation. Mais bon. Ah, la réputation de clochard. Ouais, vous l'aurez pris Nakahu, hein, bande de bâtards. Mais c'est eux qui nous ont scam, là, on les a pas appelés. Ils nous ont dit, ouais, désolé. On va essayer de retrouver l'argent. Vas-y. C'est bon, j'ai les clés. Ouais, c'est bon. Bien sûr, vous avez les clés. J'ai pas, mon frère. Tiens, hop. Ok. Non. Félicitations, mon. Ce genre de parcours. Mais carrément, il y a quelques mois. C'est comment là? Ouais. Célestin, on voit plus. Il fait quoi? Je sais pas, cousin. Je sais pas, il se cache ou c'est quoi là? Genre, c'est aucune idée. Vas-y, les gars, nous avons la pause dans 15 minutes, c'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y. Hey! Toi, t'es en train de cook? Moi, je suis totalement en mode soirée à la villa, regarde. T'en as là. C'est où? Ouais, hey, j'enlève tout, je viens. Regarde, t'en as là-bas, t'en as ici, t'en as là, regarde. Ah, t'en as là, regarde. Il y en a même qui arrive encore. Et il y en a même qui arrive encore, hein. Tac, hey, même là-bas. Là, tais-moi, même là-bas. J'en perds la tête, j'en perds le nord. Ouh, je suis perdu, j'ai le vertige. Mais t'es malade, mais gros, je me mets à poil tout de suite, je me change, tu te douches, j'arrive pas. Tu vois un peu comment ça coupe, comment ça cuisine, comment ça, hein. Mon gars, attends, là, mes gars, là, ils sont occupés, là. Va voir, tourne la cam. Ah ouais. Ça fait des mélanges bizarres. Ouais, voilà. Des mélanges étranges. Ouais. Vas-y. Vas-y. Ouais. Oui. Bon, ouais, je vous fais un topo. Maintenant, il y a une soirée. Il y a Fabiola qui arrive, on va aller dans mon bureau, personne ne me dérange. Tu veux lui mettre son coup? Oui. T'as déjà fait un truc avec elle? Non. Essaye. Allez. J'aimerais bien, oui. T'es trop sympa, mec. Ouais, toi aussi, c'est quoi ton... Raymond, de nouveau, c'est ça? C'est comment, là, on m'a parlé d'un... Mais non! C'est vrai, sa grand-mère. Vas-y, les musiques, les gars, je vais tout baiser. Oui, parce que c'est taille, cette connasse là. Attention, baisse le son. Toi, vas-y, je baisse le son, il nique ça. Regarde, ouais. Toi, reste là et nous, on y va. Ouais. C'est bon? Bah, vas-y, allez-y. Prenez pétard, gros truc. Vas-y, viens. C'est qui ça avec les flammes? C'est qui? C'est Ayana. Elle est fraîche de con. Fraîche de dingue, les hommes. Je vais lui. T'as dit quoi? Eh, Salchi! Merde, attends, je te jette dans la piscine. Oh ah si, t'es beau gosse. J'ai grave de la force, hein. Ça va ou quoi, frérot? Tu veux quoi? Ça me colle un procès pour pointeur ou quoi? Tu fais quoi ici? T'es mineur, tu fais quoi dans ma villa là? Mais je suis le tonton, tonton Tico, il est là-bas, là, tonton Blanco là. Ah, ok, vas-y. Vous m'aimez pas, monsieur? Non, si, t'inquiète, normal. Tu vois, je l'avais dit qu'il m'aimait pas. Viens. Ouais. Confirmé, il t'aime pas. Comment là il... Ouais. Et moi je suis parti gré là, et il va se passer quoi là en gros là? Là ils vont péter les autres.
What? Juste, attends, elle est où Chicago, je la vire. Madame, bon, bon. J'ai l'impression que vous me suivez, vous, je suis fou. Pardon? Pardon, excusez-moi. Pardon? Bah non, je vous suis pas. Bah, je sais pas, on dirait. Je suis juste parti rejoindre Chelsea et Julien. Ah, ok, ok, bah tranquille alors. Bah, passez une bonne soirée, madame. Hein. Profitez de la soirée. Ouais. Attendez, merci. Je dois virer quelqu'un. Je réponds pas, ce con. Je suis pété un câble. Oui, on fait une vidéo, on s'en rend là. Faut pas que ça fasse partie du truc, faut qu'on fasse une photo avec toutes les meufs. Toutes. Evonne. Cool, allié. Ou toi, fais-le, toi, Guapo. Toi, Guapo. Fais un appel, tu dis toutes les meufs de venir dans le salon. On fait une photo, toi et moi, et toutes les meufs. Aïe. Tu la prends? Oui, allez, je prends. Vas-y, gère ce groupe-là. Moi, je vais gérer le groupe là-bas, c'est bon? C'est bon? Ouais. Bienvenue, Fabiola. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, les filles, vous pouvez venir deux petites secondes, s'il vous plaît. Ouais, les filles, deux petites secondes, hein, s'il vous plaît. Ah, ici, ouais, s'il te plaît, si tu peux rejoindre le groupe de filles là-bas, vite fait. En fait, on veut juste faire une photo pour cette soirée, parce qu'en fait, ça va être un petit club ici. Enfin, vas-y, va, tu vois. Hey, Phoebe. Mais je sais pas si c'est encore d'actualité, tu vois. Attends, c'est au courant que t'es ma sœur, à ce qui paraît. Ouais. Je suis ta sœur par adoption, du coup. Et du coup il y a mes deux sœurs. Et du coup mais y a moyen vous matrixer un peu les filles là pour faire une photo. Moi et Guapo et moi pour Ouais, je parle vite fait avec elle par rapport au casino. Rejoignez, faites vite fait, venez. Ouais, t'inquiète. Ouais. Ah, c'est bon. Vas-y, ouais, c'est bon. Elles arrivent les deux, vas-y. Tu vas les faire. Toi, ça va? Ça va. Ah bah tant mieux. Ouais, venez les filles, rentrez, ouais, venez, c'est bon, par ici. On va faire ça maintenant. Tiens, salut. Ça manque de lumière. C'est mon pack. Après, ouais, je vais mettre des lumières. Julia, ta chaise. On fait où, Guapo? Faut que tu manges. Parce que moi, je pourrais déjà à l'extérieur, hein, mais il fait nuit. Ouais, il fait nuit, c'est pour ça. Il se passe quoi, là? En fait, c'est juste que, madame, en fait, on va faire une photo. Parce qu'on va ouvrir, en fait, ici, un sort d'after. Ah ouais? Ici, c'est ça. Il y a pour projet. Et du coup, ça peut être un bon point, quoi, de montrer, quand on aura notre rendez-vous au gouvernement, de leur dire que voilà, on a déjà fait une soirée de test et puis ça a bien marché. Oh, ok, je vois. Bah, Guapo, je te laisse les. On fait où? Ici. Bah, tiens, installe les Guapo, je reviens. Tu vois, là. Là, juste ici, là. Vas-y, Guapo. Encore un truc à boire, peut-être. T'as de l'alcool? Ah, ici. Ouais. Ici, rentre, vite fait. Pour la photo. Eh, vas-y. Vas-y, c'est... Ah, tu me fais là tes modèles. Tes modèles, c'est ton moment. Vas-y, va, t'inquiète. Mais tu crois que j'ai envie de faire des photos avec 40 000 personnes à côté de moi? C'est vite fait, t'inquiète. C'est pas pour... On va pas la poster. Viens, ouais, frérot, rentre pas. Carrément, t'inquiète, je rentre pas. Non, mais pas. Excusez-moi, les filles. Tu veux la croûte? Oui. Il y a Guapo qui vous appelle à l'intérieur. Si on doit faire une photo avec toutes les autres pour appuyer notre dossier, pour l'ouverture d'un after ici. On peut venir? Ça prend 30 secondes. Ouais, on finit de boire et on arrive. Vas-y, nickel, on vous attend. Ah, je crois que nous, il n'y a pas un piqué en fait, les garçons. Allô? Ouais, est-ce qu'il y a encore des meufs à l'extérieur? Regarde. Ouais, je suis en train de les ramener, dis-leur, je suis en train de les ramener. Elle gagne du temps pour pas qu'elle se barre, gagne du temps à mort. Oui, t'inquiète. Vas-y, il faut un photographe, sa mère. Ouais. Y a un photographe ici ou pas? Attends, je vais trouver. Mais long, hein. Les gars, y'a un photographe ici ou pas? Y'a un photographe? Non, pas encore. Je suis pas sûr, hein. Les filles, Ayana, t'es photographe? Oui. Tu peux aller à l'intérieur, tu vas nous prendre en photo, s'il te plaît? Avec ta copine? Vas-y. Ouais, si tu peux la suivre, s'il te plaît. Allô? Ouais. Putain, tu m'as menti, R3! Attends, je te rappelle, attends. Vas-y. De quoi? Fabiola, viens. Fabiola. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rejoins-nous à l'intérieur, juste pour la photo. C'est la photo de quoi? T'inquiète, c'est pour appuyer notre dossier, je t'expliquerai. Ouais. Juste là-bas. Juste pour une photo, ok. Ouais, c'est juste une photo.
Attends, il manque qui? Il manque qui? Ouais, les filles pouvaient venir. Si, il y a une coupe de cheveux. C'est, pas juste, c'est juste ça, une photo, il n'y a rien d'autre, ne paniquez pas. Oui, bon, c'est juste une photo. Bah, je sais pas, Chicago, elle a peur, j'ai l'impression que je lui dis... Non, j'ai juste pas envie d'être prise en photo. J'ai l'impression d'être On floutera ton visage, t'inquiète pas. Mon corps entier. C'est bon, en fait. Vous pouvez flouter tout, de haut en bas. Ouais, c'est possible. Attends, mais elles sont trop belles. C'est merveilleux. On s'en fiche. Allez-y, mettez-vous, allez-y, les filles. Allez-y. Allez, ici, tu peux y aller avec ta copine. Oh, ouais. Le soleil commence à se lever. Tu veux pas qu'on fasse ça à l'extérieur, plutôt? Oh, on fait tirer les jambes. Ouais, non, ici, c'est bien. On va pas les déplacer avant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Vous allez poser sur la photo? Ok, les filles. Hein? Un beau sourire. Fabiola, décale-toi un peu. Oh, pose-toi aussi. Ouais, j'ai trop... Tu veux pas? Je suis en train de poser. Bon, les filles, Phoebe, rentre, Phoebe. Mets-toi dedans. Un peu d'émotion, les filles, s'il vous plaît. Mets-toi dedans. Ouais. Ah, tu veux photographe? Ouais, prends photo aussi. Parfait. Impeccable. Voilà, nickel. Bien joué. Voilà. Ok, changement de pose. Impeccable. Parfait. La caméra de droite, de droite, de droite. Hop là, pas mal. Ok, oui. Voilà, gestuelle. Attitude. Ouais, pas mal. Émotion, ouais, sourire, smile. Non, pas mal. Hein. Non, elles sont trop belles. Ok, pas mal. Ouais, elles sont rien, putain. Tant qu'on peut, viens, on se met dans juste la dernière photo. Je me joue une petite place, s'il vous plaît. Vas-y, ouais. Attends, il est en train Merci. De prendre une photo, là. Attends, je vais me mettre devant toi, débile. Vas-y, là, c'est barré, putain. Je la vire. Non, incroyable la photo. C'est pas où j'ai atterri, mon gars. C'est lourd, celle-là. Putain, j'ai la haine, je voulais que qu'elle soit dans la photo, frère. T'es de prendre quand je rajoute la chemise. Putain, c'était mon plan, c'était okay. Mon plan, wesh. Parfait. C'est bon? Attends, on laisse la photographe travailler. Ah ouais. Pour une petite gestuelle, un petit truc, non? Ouais, puis c'est... On fait tâche hein, dans la photo, j'ai l'impression. Ouais. Mais non, vous brillez avec tous vos colliers. Ah, merci. Donc c'est très beau. Les filles, personne. On floute personne dans la photo? Vous nous dites, hein, y a pas de problème. Hein. Ouais, y a pas de soucis. Non, c'est même pas ah, besoin. Ok, parfait. Ok, impeccable. Merci. Merci les filles, c'est bon, vous pouvez ressortir, hein, profiter de la soirée. Et... Ah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Quoi que ce soit, les filles, hein, vous n'hésitez pas. Hein. Merci, c'est gentil. De rien. Anna, tu m'envoies ça? Ouais, j'ai tout. Vas-y. Guapo, tu vas me faire un petit truc. Tu me vires Chicago, s'il te plaît? Elle est où? Je sais pas, viens, on va la virer, viens. Ah, déjà regretté, mais qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, les filles, commencez pas! On va se battre! Tu veux te battre? Bah ouais. Je peux vous soigner, les filles! Yo, moi aussi! On se bat? Je vais te soigner, moi! Yo, putain, Miles, je vais mettre des coups de griffe! Yeah, yo, tu m'as reconnu direct, putain! Bah ouais, t'es vraiment fort! Tu veux quoi, Toko? Va à l'intérieur. Va dans le jardin. Bon, je crois la tailler. Oh, je vais tout baiser. Viens. Prends mon photo. Fais quoi ici, bande de fils de pute, va. Fais quoi ici, Va à droite. Vas-y, monte et mettez là-bas. Va en face. C'est bon. Tranquille. Tranquille. Il y a encore des mecs, hein. On va leur baiser leur mère. Hein? Quel mec? Juste là. C'est quoi cette maison de fils de pute là? Ils sont où? Ils étaient là? Attends, restez ici là, restez ici, viens.
Guapo, mon frère, marche, cousin. Imagine, il cavale. Bon. Hey, garde-les, garde-les, Guapo. Guapo, garde-les. Ouais, vas-y, vas-y. Tranquille, on va pas fuir, les gars. De quoi ici. Moi, je sais qu'ils ont sauté, mais je sais, je me rappelle leur tenue. Deux mecs sautent pas, quoi. Hey, les gars, juste dehors, hein, ouais, s'il vous plaît, pas à l'intérieur, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est... Allez-y. Je me charge le monde avec moi ce soir. C'est la baraque pour les meufs à l'intérieur, c'est ça? L'Ardenne. Une nouvelle encore. Ouais, bah laisse-nous le temps, là. C'est où les toilettes, s'il te plaît? Là, là. La porte juste là, face à moi, tout droit. Ok, super. Ouais. Merci beaucoup. Eh, hey. Hey, viens là, viens là, toi. Viens là, viens là, toi. Eh, hey, toi, là. Eh. Hey. Eh. Hey. Oh. Yo, yo, yo. Tu faisais quoi chez... dans ma yo, chambre, toi? Quoi, mec? Tu faisais quoi dans ma chambre, toi? Et yo, mec, c'était gratuit, enfoiré. Comme mais ça, jamais de la... Yo, c'est pas moi, mec. Y'en a, il a le même survêt que moi, bordel. Je t'encule, toi. Yo, toi, tu viens dans ma soirée. Toi, tu rentres dans ma chambre, toi. Toi, tu rentres dans ma chambre, toi. Yo. Toi, tu rentres dans ma chambre, non, toi. Non. Toi, tu rentres dans ma chambre, mec. Toi. Hein. Eh, hey, refais ça, hein. C'est une balle entre les deux yeux que je t'ai fait. Yo, mec, hein. La reste dans le jardin. Moi, bordel. Rase les murs, hein, toi. Yo, yo, je te chasse. Ah, j'espère, yo. J'espère. Au cas où, vaut mieux prévenir que guérir. Putain, il a défoncé la gueule. Arrête, je te tiens dans mes bras, c'est tout. Tu prends mon numéro? Tu m'appelles oui, et je l'ai déjà ton numéro, tu me l'as donné la dernière fois. T'es sûr? Ok, d'accord. Oui. Ok. Non, merci, je suis pas trop calinou. S'il te plaît. Non, je suis pas trop calinou. Non, je suis pas trop calinou. Non, putain, non. Je sais quoi, t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Bon, vas-y, ça va, ok, d'accord. Vas-y. Voilà. Un petit câlin, pas plus. On va pas commencer à. Bah, tiens, foutre, putain, merde. Aïe, mais ça va pas, quoi, y'a-t-il? Oh, ouais, c'est chaud. Ouais, Chicago, ouais. Chicago. Qu'est-ce qu'elle fait? Chicago. 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 Il m'a frappé. Oui. Est-ce que vous pouvez laisser Raymond Chicago, tranquille, Chicago, monsieur? Chicago, frappe Chicago. Pas. Oui, tu, pas. Pas. Laisser, tu es chez Raymond. Moi, tu peux sortir. Allô? Vous voulez que je sorte? Oui, s'il vous plaît. Ça va, Raymond? Ok. Il m'a frappé. Il m'a frappé. C'est beau, quoi. Tu es droit, hein. Tu parles à personne et attends vite fait. Eh, hey, Oscar, je sais pas comment tu t'appelles là. Eh, hey, hey, salut. Eh, hey, je te passe un petit billet, tu me la ramènes à la sortie, direct. Eh, hey, par la personne, sortie direct. Ok, 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 okay. C'est bon. Allez, vas-y, fais-moi ça. Oh, tu parles à quelqu'un, mec. Ouais. Mais mec, tu t'es trompé de personne, y'en a, il a le même survêt que moi, bordel. Il est où? Il est où? Je sais pas, on s'est battu tout à l'heure, carrément. Vas-y, tranquille, tranquille. Ouais, ça va quoi, mon gars? Vas-y. Ouais, tranquille, tranquille, bien. Y'a moyen de te parler vite, mais tu sais. Eh, là, je suis en mode soirée, juste après. Ouais, ok, ouais, vite vas-y, fait. Vas-y, vas-y, okay. Vas-y. Alors, comme je disais, en prestation, ouais, y'a pas de soucis de temps en temps pour des soirées, ouais, y'a pas de problème. Scarlett. Yo, regardez. Ouais, bon. Venir vite fait. Là, c'est pas mal, non? Vas-y, ne dites pas non, les gars, vas-y. Je préfère niquer mon cou. Mais... Oui, Scarlett, tu peux me rendre un petit service ou. Ouais, je t'écoute. Hey, c'est juste, il y a un ami à moi au-dessus. J'aime bien se mêler de je voulais que toi et, enfin, Luna et toi, vous lui faites une danse, mais bien. Ah ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y. Bah, venez. Pussycat ? Quelqu'un. Voir Zouave commettre là. Faire des. Partir en couille. Allez-y, allez-y, on en parlera après. Hey. Changer je vous ramène dans votre pièce pour vous changer. Ok. Merci. Eh les filles, je veux vraiment vous donner à fond, hein, parce qu'il va être, il va pas être bien. Vraiment vous donner à fond, hein. A, B, T, O, Zio, merci mon frère, merci mon frère. Eh les gars, il est modo, vous pouvez faire un point d'exclamation, mettre le sub goal. Allez-y, allez juste ici. On peut se changer là. Ouais, là, ouais, ou ici si vous voulez. Déby, merci. Oui, de rien. Allez-y. J'ai installé le... Si tu veux faire avec eux, hein, avec elles. De quoi? Elles vont faire des danses, elles vont abuser avec Oscar. Alors déjà, t'as vu Yaki? Yaki? Bah Luna. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. C'est bon, c'est le passé. Eh, t'es bien fraîche aujourd'hui, hein? Comme ça, c'est passé, non? J'ai toujours une plainte. Bref. Et merci du compliment. Eh, va dans la chambre au fond à gauche, j'arrive. Je rigole, vas-y, va en bas, là. T'es sûr? Si tu veux, je te fais une petite danse. Non, t'inquiète, vas-y. Mais comment je suis fraîche, moi aussi, je suis abusée. Hey, rentre, j'ai envie de faire pipi, putain de merde. Rentre. Monsieur, je vais vous faire claquer le dos si vous voulez, je peux vous faire claquer le dos comme vous souhaitez, d'accord? Détends-le bien comme il faut, hein. Bien comme il faut. Vous n'avez pas pris les thérapeutes, vous m'avez dit que vous étiez juste pour un médecin. Je sais faire une... Déby, t'as une chaise?
un massage. Non, pas du tout. Hey, installe-toi ici, Oscar. Là, installe-toi. Ah. Installe-toi. J'ai pas envie de. Non, mais j'ai pas envie de déranger votre lit. Il va être tout manche. Ok. Mais je suis déjà installé. Mais je suis déjà installé là. Là, je suis bien. Je suis confort depuis tout à l'heure. Allez. Mais oui. Pose-toi. Je suis trop confort. Putain, je savais pas que ce lit était aussi confort. Ouais. Arrête de dire Oscar, tu niques sa couverture. Bah c'est quoi son blaze? Ouais, vous avez raison, il faut faire un peu. Ouais, pourquoi pas. Je peux. En fait, vous voyez ici, on a quelques points. Et en fait, je peux détendre ces points-là, ça s'appelle les nerfs. Hop, pourquoi je prends le pantalon, je le tire, hop, hop. Ah non, mais non, par contre, bon, laissez le pantalon. Il va pas là, mais. Eh, sors, repars en bas, pars en bas. Vite. Vas-y. Allez, installe-toi. Je t'ai dit que j'étais pas trop droit. Installe-toi. Tu veux s'occuper de vous, monsieur. Vous tu préfères ça ou une. Hein non, mais. Balle entre les deux yeux. Installe-toi. Allez. Ok. Il doit me. Hey, les gars, je sais très bien. Il doit péter un câble, là, intérieurement. Vas-y, on danse, le chat, si tu veux. Tu veux qu'on zouk? Entraînement zouk. Yeah. Oh mon gars. Gars, y a un mec qui est à l'étage là, il vient de sauter là. Ouais, t'inquiète. J'allais m'en occuper justement. Vas-y. Yes, c'est timide, c'est timide. Elle arrive, elle est partie chercher vite fait son truc. Ok, hein. Ok. Non, rien du tout, regardez, j'ai rien du tout. J'ai rien. Okay. Vas-y, débile, la flamme. Oh là là, comment ça fait du bien le dos. Voilà. C'est comme ça, la vie de rêve. C'est comme ça qu'on accueille la vie, la vie de R3. Oh ouais, c'est vraiment la vie de rêve. La vie de R3. Ouais. Ouais, rêve 3, vous voyez. R3, tu sais qui est R3? C'est Creepy. Ils m'ont dit Creepy dans le quartier des Warts. Creepy, il est mort, c'est R3 maintenant. Creepy, il est mort maintenant, c'est R3, bande d'enfoirés. R3, bande d'enfoirés, c'est comme ça, ouais, c'est la rue. Voilà. C'est comme ça, c'est trop autofouet. Voilà. Voilà. C'est vrai. Voilà, c'est la rue, c'est comme ça. Non. Non, c'est là, les filles, c'est là, derrière vous. Juste ici à l'intérieur, René. On a dit pas déguilis. Ah, ça doit être les ongles, ça doit être ça. Et voilà, mon cadeau, c'est pour toi. Excuse-moi, il manque des... Oh putain, merde. Tu vas le traumatiser, là. Va avec elle, non. Va avec elle. Mais c'est pas fait. Vas-y, là, tu recherches juste ta robe et t'envoies, tu danses. Moi, tu renoues tes liens avec Luna, vas-y. Non. Ça va pas. Vas-y, bah va en bas, vas-y. Non, mais je vais le faire, mais j'ai pas envie de trop lier ses liens avec elle. On n'est pas obligé de lier de liens pour danser ensemble. Vas-y. Viens, on va le traumatiser. Vas-y. Moi, je regarde. Les dames, peut-être, si vous voulez. Oh putain, mais non, pas les dames, putain. Bonjour, attendez. Il y a une petite place. Ouais, il y a. Il y en a beaucoup trop là. Vous en a jamais assez. Super de sympa. Ah ouais, mais là, ça fait beaucoup, madame. Madame, ça fait beaucoup. Allô, ouais. Apparemment, Derek vient d'arriver à la soirée. Je crois qu'on va le laisser kiffer. On va le péter à la fin. Vas-y. Mesdames, si vous voulez, on peut... Tu veux pas danser avec nous? Tu parles trop. Ah ouais. Ouais, détends-toi. Ouais. Non, j'aime pas les guillis, arrêtez vos conneries, putain de merde. On pourrait peut-être... Oh, écoutez, j'ai une idée. C'est guillis. On joue à la course à pied. Oh, putain de merde. Tu la danses à pied aussi, hein. Oh, bon. Les deux. J'ai l'impression qui te plaise. Non, c'est juste que j'avais pissé, mais j'ai oublié, et la copine... Ça m'étonne pas, c'est pas chéri. Là, j'ai mon sang à moi. Yeah, yo. Yes. Blanco. Mon dieu. Écoutez, elle est où, ta copine? Oh, je sais pas, elle est perdue quelque part. Là, t'as trois choses.
Bon, écoutez, je pense savoir ce qu'on va faire. On va braquer une banque. L'original, non? C'est quoi le bon numéro, c'est quoi? Oh, ouais, voilà, on forme un gang, on l'appelle les poussées. C'est quoi son blase, c'est quoi son truc? Je sais pas. Pourquoi j'ai dit Oscar? Si vous voulez. Allez, on fait ça. Ok, bah allons braquer une banque alors dans ce cas-là. Là, tu viens de braquer trois jolies femmes surtout. Bah ouais, mais... bah, ça peut être cool de braquer autre chose, non? Non, je pouvais pas. Là. Le gars, il est normal, mais je vous jure, il va m'appeler, il va me traiter. Je pense que tu peux braquer ce que tu veux, là. Oh putain, merde. Hey, écoutez, je... Il va m'appeler, il va me traiter. Tu vois, il a fait un malaise, là. Oh là, monsieur. Attendez, je... Monsieur, ouais, 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 je cherche les toilettes. On a pas de... Harico. Ouais. Et il est très expressif. Ouais, il est, je sais pas, il est spécial un peu, il est spécial. Non, en tout cas, beau travail, hein, beau boulot. Il y a de quoi être impressionné, hein. Je le comprends. Moi, je vous laisse vous changer, on se rejoint dehors. Il est dans l'armoire. Ouais, je sais pas, il est parti. Je pense qu'il est sous l'armoire, là. Monsieur... Merci, les filles. Hein. Pas de problème. Ouais. Après, tant qu'on y est. Madre mia. Ma bite, je me barre. Ah, tant qu'on y est de quoi. Tant qu'on y est de quoi. Tant qu'on y est de quoi, s'il te plaît, frère. Tant qu'on y est de quoi. Vas-y, pas de soucis. Ça va? Bah oui, ça va, et toi? Ah, donc c'est pas vrai. Il faut que je te dise un truc. Hein. Quoi? Oui. Je sais pas comment le faire. En fait, je suis nul. Du coup, ça veut dire que là, je vais le faire tout de suite et comme ça, dans un contexte. Bah, crache un morceau, dis les termes. Et c'est bon. Non, mais ils ont tous pris ici. Attends, j'ai. Attends, viens. Regarde, je vais me poser avec elle, hein, je crois. J'ai des sentiments pour toi et je voudrais me poser avec toi. Oula, c'est bizarre. Comment ça, tu parles des sentiments alors qu'on se parle pas? C'est la première. Je vais en faire plein. Après, on peut baiser, hein? Non, moi, je veux plus. Bah, tu attends, veux quoi? Vite fait. Deux secondes, je l'ai vu. Attends. Les gars, dehors, s'il vous plaît. C'est vrai? Non, on m'a demandé de faire visiter, c'est pour ça. C'est Mélo l'a demandé, c'est Mélo. Alors ici, vous êtes dans la salle à vivre. Vous voyez, comment quelqu'un qui... Et s'il vous plaît, je vous fais la visite après, je vous envoie quelqu'un. Ok. Moi, je connais même pas. Ouais. Oui. Mélo, tu peux nous laisser en privé là, on a une discussion sérieuse. Du coup, oui. Ouais, je te lâche. Moi, je veux plus, moi. Mais en fait, moi, je peux pas avoir plus, sauf si tu acceptes que je sois en couple avec d'autres personnes. Tu peux pas quoi? Bah, je peux pas être en couple avec une seule personne. Moi, je veux plus... tu vois, je veux plein de relations. Tant que je ne suis pas au courant, c'est bon, ça me va. Non, t'es pas au courant, c'est bon? Ouais, voilà, c'est ça. Je vais pas chercher à m'informer, mais tant que je suis pas au courant, c'est bon. Et toi aussi, c'est bon? Ok, c'est bon. Donc, là, on peut faire comme ça. Non, vas-y, on s'embrasse. Bah, hein. Ouais, on est en couple, si tu veux. Mais toi, ça sera le couple du... On est en couple. Ça sera le couple du samedi, tu vois? Comme non, je te disais, on est en couple toute la semaine, tout le temps. Ah ok, alors cette semaine, je suis en couple avec toi, et une autre semaine, je suis en couple avec quelqu'un d'autre, ok? Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, on fait comme ça. C'est bon, ça doit. Okay. Ouais, vas-y. Voilà, c'est bon. Hop là, parfait. Allez. Du coup, là, t'es ma meuf. Vas-y, vas-y ma meuf, hein. Vas-y, mon mec, hein. Vas-y. Enfin, t'es mon quatrième mec, je crois. Pour mon cinquième. Les gars, c'est le couple le plus nul de l'histoire de GTA. Mais je crois que t'es le plus riche. Donc. T'as compris, c'est ça. Mais je donne moi, tu me dis ce que tu veux, hein, je te paye. Hein. Ah ouais? Vas-y. Ouais, normal. Ah ouais, donc en fait, il y a une chaîne Dior qui est trop belle à la bijouterie, elle coûte 48 000 $. Et il me la faut. Ok, je vais te l'offrir. 48 000 $. Tu m'envoies la photo, la référence, je te l'offre.
Ok, d'accord, c'était mon mec, tu faut que tu me l'offres. Ouais, ouais, bah oui. Sinon, t'es pas mon mec. Ouais, normal, bien sûr. Ah ouais. Vas-y. Ok, vas-y, on fait comme ça. Vas-y, débile, hein. Vas-y. Vas-y, l'Ardenne. Elle est où ? Ah, ici. Ouais, tu m'entends. Ouais, c'est... Et bonsoir. Voilà. Ah, t'es déjà à la porte. Vas-y. Ah, bah, vas-y. On pensait que on devait déposer, mais on allait rentrer aussi, de toute façon. Vas-y, bah, vas-y, ça marche. Oh, c'est la goutte. Viens voir, je t'appelle. Vas-y. Ouais, frérot, elle like mon poste ouais, sur Life Invader R3. Ouais, like mon poste que R3. Que des likes, hein, que des likes. Ouais, frérot, elle like mon poste sur Life Invader R3. Vas-y. Un bon. Hein ouais, les... Réel, tu fais quoi chez moi, fils de pute? On m'a invité, il y a une des demoiselles qui est présente, elle m'a invité. Je veux dire que moi, droit, ça me fait plaisir. Une petite chemise, en plus, j'ai entendu. Ouais. Non, bien. Eh, hey, j'ai entendu que tu veux faire du bise avec moi. Tu veux quitter le quartier. Non, c'est. On m'a dit que je devais prendre contact avec toi maintenant. T'as vu. Ouais. Chose qui me. T'as vu, regarde, tu vois. Tu veux acheter un labo. Bah ouais, vas-y, on en parle là devant les chicas. Viens. Il y a ma soeur. Et il y a ma copine. Ami, hein. Ami. Vas-y, soirée bonne, les gars. Ouais, les gars, on parle vite fait. Eh, vous pouvez liker mon post sur la Fumadeur, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Ouais, merci. Ouais, t'inquiète, je le ferai. Vas-y. Vas-y, like. Non, ça mange la vie, hein. C'est qui, là? C'est Roca. Putain. Non, Roca. Ça a dû, maman. On en discute après, hein. Vas-y, tu me dis. Après ou demain. Non, après. Vas-y, carré. De toute façon. T'as un papier, t'as toujours. Je sais pas. Vous avez besoin de rien, mesdames et messieurs? À boire, quelque chose? Non, merci. Ça va, merci. Allez, s'il te plaît, recrute-moi de ton mannequin. Luna, c'est Luna. Ok. Donc, tu peux me faire une photo? Tu peux me faire une photo, Luna? Ah, je pensais que t'étais en train de lui faire une demande, là, quand même. Luna! Si. Prends une photo, s'il te plaît. Attends qu'il fasse un peu plus jour, ça sera plus joli. Vas-y, tu m'appelles. Balai. Ouais. On peut avoir quelque chose à partager. Ouais, mais que hey, ça c'était politesse, hein. J'aurais pas ramené sinon. Ah. Viens, toi que t'as des gaines de fils de pute, sois content que je te laisse être là. Hein? Donc grâce les murs, commence pas à me demander à boire. C'est que pour les meufs. Ok, vas-y. Ouais, on enchaîne. Ouais. Y'a pas des toilettes ici? Non, si tu pisses dans la rue là-bas, tu sors dehors et tu vois, plus loin tu pisses. Vas-y. Je peux pas rentrer des gens comme toi, moi, chez moi. Ah, ok. Ça y est, je pas qu'on t'engage, toi. Bah, les meufs, ils t'engagent. Qui a parlé de quoi? Ah, je vais le tuer, lui, le petit morveux là. Vraiment, gars. Moi, je vais le tuer. Tu fais ou pas? Fais-en moi une, tu fais moi, veux bien. Pas tout de suite, pas tout de suite. Attends, je suis en train d'en finir. Vas-y. C'est lequel, Derek? C'est avec la chaîne DMF, je crois, une chaîne en or. Je crois qu'il est là, en face de moi. J'ai vu mes compères. Eh, Derek! Mais t'intéresses pas, elle. Derek! Mais non, R3, bien. Viens. Alors, tu m'engages. Et c'est chez toi ici? Ouais, c'est chez moi. C'est comment? T'as vu ma photo, la Life Invader? Like. Viens, on fait affaire. Je veux être associé avec toi sur l'agence de trucs, je sais pas quoi là. Carrément là, j'allais venir. Je vais te baiser ta mère, toi. Arrête. Ouais. Parce que là, on démarche un peu à ta soirée pour organiser des rendez-vous pour demain. Moi, je vais t'associer avec toi, Je vais pas être modèle. Non, je vais être associé. Associé de quoi? Explique-moi. Mais c'est quoi le truc, toi? En fait, tu fais quoi, toi? En gros, dis-toi, je suis comme une maison de disques, mais pour modèle. Ouais, et du coup? En gros, le concept, c'est qu'on sera en partenariat avec le Life Invader, afin que tous les sponsors, les partenariats, les publications seront rémunérés. En gros, le but, je vais être associé avec toi. C'est chaud. Associé en quoi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Au même rang que toi, je vais t'apporter la vie. À la vie de ma mère, je vais t'allumer ta mère si je suis pas dans ton truc, là. Je veux être dedans. T'as pas compris? Je sais pas pourquoi, le comment, Tu veux être un agent. Je veux pas être un agent. Je veux être avec toi, actionnaire. Je suis avec toi.
Je suis pas actionnaire, moi. Moi, je suis propriétaire, c'est... Eh ben, je suis avec toi, mon frère. Agent. Commence pas l'R3, là. C'est quoi, agent? Et moi, je m'en fous, me donne pas un dollar, j'en ai rien à foutre. Je veux juste être au même rang que toi. Et quand c'est y a, tu m'appelles. Oh, tu... Quand il y a un rendez-vous... En gros, tu veux être une tête mon sang, t'as apporté tes idées, tout ça. T'as tout compris, voilà mes idées, mes trucs. Tac. Et on fait un truc. Moi, j'ai un projet, moi, je veux faire une télé-réalité, moi, dans ma villa. J'ai un caméraman, il s'appelle Bosco. Il est... Carlos Bosco, exactement. Et il veut faire une télé-réalité interactive. Ouais, bien. Et ça veut dire que voilà, quoi. En vrai, Derek... On fait 50-50 sur le projet. Quand je suis arrivé, il y avait plein les meufs, etc. En vrai, c'est pas une mauvaise idée, je vais pas te mentir. Ma mère. J'ai vu toutes les meufs qu'il y avait là, il les a tous regroupées comme un bon petit troupeau, franchement, il y a moins que ça buzz son histoire là. Que des big booty, Derek, comme t'aimes, t'as vu, des recrues sont... C'est pas comme t'aimes, hein, tu vas leur envoyer un message WhatsApp, fils de pute. Hein? Ah. Et moins de liker les gars mon poste, et s'il vous plaît, likez mon poste. Il y a plus de meufs sur la photo que de likes. Lui les gars, je suis en enquête sur lui hein. Quand je vais démasquer. Est-ce qu'il y a ma meuf? Je vais faire un article. Ta meuf, ça. Comme quand ça démonte un réseau de coke. Mon ex. Allez, tu vois, sur la photo, la moitié c'est mes modèles déjà. Ouais, c'est vrai ça, c'est nos modèles hein. Ouais, normal, mais moi je vais encore plus les motiver. T'inquiète pas. Je vais les mettre dedans, je vais les motiver, je vais leur apporter mes idées. Est-ce que derrière la caméra il y avait une AK ou pas? C'est ça la question. Non, je crois qu'elle serait restée ou quoi? Non, j'étais là, je te dis, mais moi j'étais choqué. Ma mère, je bavais, je faisais du lèche-vitrine, t'as vu. Je leur disais, tac, posez coup comme ça, tac, ok, souriez, pam. Ok. Après, on peut voir pour collaborer ensemble. Pas collaborer, je vais être. Derek, je joue pas au con. Tu veux quoi? Tu veux juste mettre en place un projet? Si t'es pas là le restant de l'année, ça sert à rien. Mais moi, je suis tout le temps là. Tu m'appelles. Tu m'appelles dès qu'il y a des rendez-vous. Si tu veux faire tes photos, c'est maintenant. Tout de suite, Luna, j'arrive. je reviens, je suis dedans, commence à préparer les papiers. Je réfléchis. Je vais faire un vrai truc. Tu sais que je vais te faire une dingue. Derek, c'est un vrai contrat. Je vais tatouer le visage. Ouais, mais je vais être sérieux. La même mère, je vais être sérieux. Moi, c'est chaud là. Ouais, allô. Ouais, allô. Ouais, dis-moi. Ça va bien. Tranquille. Ouais, on m'a dit là, il y a une super méga fiesta chez toi. Là. Ouais, mais viens accompagner. Avec quoi, des bitches? Ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as tué ma fille, putain de merde. Ouais, aujourd'hui on l'a encore fait. Qui a tué ma putain de fille, c'est toi? C'est pas moi, t'es sérieux ou quoi? Ah bah putain, y'a un putain d'enculé de sa mère qui me dit que c'est des mecs de ton équipe. Hein. C'est qui a dit ça? C'est un menteur. Eddie Cavani. Pète-le et ramène-le-moi. La vie de ma mère, vas-y. Il m'a dit Norwatt. Attends, pète-le et ramène-le-moi. Là, je suis occupé, là, je suis. Ok, mec. Vas-y. Ok Luna, je veux des vraies photos, hein. Mm-hmm. Je pose comment? Qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu dois faire, déjà, je suis en train de me poser la question, c'est de comment et où quel arrière-plan qu'on va te donner. Tu préfères quoi? Puisqu'on voit ce qu'il y a derrière, les gens, etc. Ouais. Voilà, comme ça. D'aller. Et ta pause, tu te détends, tu fais ce que tu as l'habitude de faire, je sais pas. Je veux qu'on voit la montre, hein, aussi. Tac, bim, boum, ok. Je suis un bot, hein, j'ai RP pas, frère, fais juste mes photos. Ah.
tester. Lambeau. Ah ouais, viens. Luna, on va faire une photo avec ma nouvelle voiture. Viens. Ok, vale. Oh, l'équipe, bien. Ouais, bienvenue. Yo. Qui vous a invité? Tranquillement. Milo. Bienvenue. Merci. Ça dit quoi, je vais faire la photo avec ma voiture. Vale. Ah, t'aimes bien, hein? Ouais. Comme ça. Bizarre, c'est un peu. Il est bien. Un maximum de cœur pour Willem qui est entre la vie et la mort, il s'est fait rafaler par beaucoup de mecs, s'il vous plaît. La psychiatrie, hein. Vous avez vu le mec du tremblement de terre, il est mort, hein, le joueur de foot. Le joueur de foot là qui trouvait pas. Ils l'ont retrouvé. Mon daron était là-bas là, il est revenu hier, ou avant-hier. Il m'a dit wesh, il trouvait des mecs tous les jours, en vie, hein. Il y en avait, ils en trouvaient en vie. Et il m'a dit, tu marches, il y a une odeur de fou, genre. Parce qu'en fait, il y a là les décors, tu vois. Et du coup, ça a pourri ou je sais pas ce qui se passe. En plus, il m'a dit, il fait froid à mort. C'est Merchel. Et il y a des pires aussi. Des mecs qui volent. Parce que du coup, t'as des, je sais pas, des fitness parks qui sont niqués. Tu vois, tu peux voler les machines. Il y a des magasins de lunettes, des trucs. Attends, je vais ramener ma sœur. Ah vas-y, une autre fois. C'est bon ? Eh, prends une photo au moment où je rentre dans la voiture. Ah ouais, mais je suis grave rapide. Ou quand je sors. Je vais le faire plusieurs fois, hein. C'est bon? En fait, c'est trop chiant parce que je peux pas parler en même temps. Ouais. Ouh! Que ça fout là ce truc. Refais-le encore deux, trois fois et. Vas-y. Je vais essayer de parler en même temps. Allô? Attendez, là, c'est quoi toutes ces femmes? On profite. C'est la vie de Jules César. Et je
En fait, ça s'est fait sur un coup de tête. Après, vous pouvez toujours venir. Hein. Attends, envoyez moi la position. Moi, je pourrais savoir si c'est qui pour vous. Bah oui. Vous voulez venir? Oui, envoyez moi la position. Attends, je vous envoie la pause. C'est pas pour rien. Attends. Vas-y, ouais. Retourne encore, le fais-le parce que tu l'as fait pour rien. J'étais en train d'ajuster la caméra. Ah, ok. Dis-moi quand je refais. Belle lettre. Vas-y. Encore une fois, c'est bon. C'est bon? Si, vas-y. C'est bon. Impeccable, vas-y, je l'arrange. Vale. Ok. Du coup, je les ai quand les photos? Là, je vais les travailler, puis je choisis un peu celles qu'on sont... travaille, toi et moi, hein, qu'on se travaille. Si, bah, quand tu veux. Hein. Attends. Ah bon? Bah, si, pourquoi? Tu veux pas. Tu veux travailler, c'est ça? Non, mais. Enfin, oui, c'est vrai. Non, rien. Si je m'abandonne, frère. J'expliquerai un jour. Quand je l'ai rage, ça? Yo. Non, quand... je suis timide, moi, un peu, c'est-à-dire... Ouais, t'es timide. Ouais. Eh, mamie, viens. Tiens, regarde, c'était un jeu pour ton fils, justement, attends. Hop. C'est un cadeau, tiens, pour ton fils. Mais non, c'est trop mignon. Ouais, ça. Evan, tu t'occupes, enfin, Evan, de lui donner, tout ça. De quoi? Oui, je lui donne le sang, Scarlett? Ouais. Oui, mais dis donner le sang. T'as pas des tu peux m'aider vite fait? En fait, j'ai renversé. Enfin, il y a un type, il a renversé un coca sur mon dos. Juste, on va aux toilettes. Tu peux me le rejeter. Enfin, me frotter juste le t-shirt. Tu veux pas enlever ton t-shirt? Non, en fait, j'ai pas de t-shirt de rechange là. Oh là là, pas de nous d'un problème. Ah bah attends, je suis sorti un mouchoir. Arrête, t'en veux. Attends, viens. Ouais. Okay. Sympathique, j'aime beaucoup. Juste ici, attends. Phoebe, c'est ça, ouais. J'sais pas, les gars, je sais pas comment. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, frère. Ah, c'est. Parce qu'en fait, t'as vu les clés de chez moi? Enfin, de ma chambre, je les ai perdues. C'est pour ça. J'ai perdu les clés de ta chambre? Ouais, c'est pour ça, sinon j'aurais changé de t-shirt. Juste, je me retire en vite fait, ouais. Et puis voilà quoi. Vas-y. Hein. Merci. Je vais pencher. Tu sais, y'a qui arrive là? Cooper. Quoi? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, il veut venir, hein. Du coup, je lui dis ok. Ah ouais? Ouais. Oh, tu l'apprécies pas? Sont pas. Si. De toute façon, c'est ton père, hein. Il a le droit de venir. Ouais, c'est ça. Merci. Ta l'eau, elle est froide. Tu peux mettre l'eau tiède un peu, s'il te plaît? T'inquiète, je vais réchauffer l'eau. Bon, vous les gars, tout ce que je fais, vous me dites, on dirait. Je peux pas enlever mon t-shirt. Non, t'inquiète. Parce qu'en fait, avec la chaîne, tout ça, c'est galère. Hein. J'ai pas de juvet, hein, si t'as pas de tablette, je juge pas. Hein. Moi. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai un petit ventre, mais... Enfin, en fait, je suis un très grand consommateur de meth. Ah ouais? Ouais. Cool. Ouais, mais du coup, bah moi, j'ai... Oui, tiens. J'ai aucun muscle, moi, j'ai rien, c'est... J'ai vraiment, t'as vu, j'ai un bide. Mais si, je suis sûr que si. C'est notre cuisine. Oh, vite fait. C'est la cuisine, hein. Ouais, mais voilà, quoi. On fait venir des traiteurs. Mais il y a des gens là-bas, là, ils vont me voir. Tu vas bien manger, ça. Faut changer. Ouais, j'espère. Oh là là. Chef de, hein, chaque culture, tous les jours. Il y a ma sœur, c'est ma sœur quand même, c'est pour ça. Okay. Ouais.
Ça va, elle te connaît, ta soeur, c'est à quoi tu ressembles. Ça fait, je crois, 6 ans que je l'ai pas revue. Hein. Elle est venue pour l'enterrement de mon père demain. Bah, tu m'as jamais parlé d'elle en fait, donc je pensais que tu l'as cachée. Bah, j'ai deux frères, j'ai une sœur, j'ai des cousins, j'ai un oncle. Attends, c'est ta vraie sœur ? C'est ta sœur. Non, vraie sœur, Bishop, c'est une Bishop. Ah, c'est pas comme avec Cooper. Hein. C'est-à-dire, c'est pas ta sœur spirituelle. Non, 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 ça c'est une autre, c'est Thaïs l'autre. Ah. Attends, Thaïs, c'est ta sœur spirituelle. Que se passe-t-il ? Thaïs, c'est ma fausse sœur. Ouais. Ok, ça va. Début, tu contrôles la situation. Ouais, non, le t-shirt. Un autre jour, okay. Scarlett. Bah, tu m'as dit lundi déjà. Lundi ? Mais non, lundi, ouais. c'est le repas de famille. Non, tu m'as dit lundi après le repas, c'est la danse. Et j'invente pas, hein. Ouais, mais. Tu veux quoi, du nord au sud ? Comment j'ai... Ça fait loin quand même, hein. De quoi tu parles, le repas, il était dans le nord. La danse, oui. Tranquille, après le repas, dans le nord. Dans le nord, ouais, mais moi, j'ai pas d'endroit, moi, dans le nord. Hein, tu... Mais si, il y a plein d'endroits dans le nord, je sais pas. De toute façon, ça se passe au pays, ou... On peut trouver un arrangement avec mamie, t'en fais pas. Ok, bah... Bon, on verra lundi, hein. J'espère que je tomberai pas malade. En ce moment, je sens... Bah, je passais du choix, j'ai la clim dans ma chambre, c'est-à-dire que je passe, dès que je sors, il fait chaud, je rentre, il fait froid. C'est-à-dire des fois, je peux tomber malade. Ah, que des excuses, Larven. Mais non, moi, je... ouais. Vraiment, ça serait un plaisir. Non, mais Larven, attends, si tu fais comme un fois et que tu te casses en premier de la danse, je pensais que c'est moi le souci. Ouais. Mais non, je serai là, t'inquiète pas. Ok, vas-y, je préparais une tenue express pour toi. Pour moi, spécialement pour ouais. Moi. Mmh. D'ailleurs, t'as bien aimé la tenue tout à l'heure ? Ouais, c'est quelque chose, hein. Ouais, c'est... Je mets un bon 8. Un 8 ? Ouais, c'est tout ? Sur 10, attends, ça va. Attends, faut... Ouais, non, faut faire augmenter la note, là. Sérieux ? Tout ce que je dis, elle arrive à... augmenter la note, mais ça va, 8, c'est y a pire. Non. Par exemple, Luna, je lui ai mis un 7, tu vois, un 7. On était toutes les deux parfaites. On mérite au moins un 9, un 9 ou un 10. Ouais. Mais si tu veux, je peux... On peut augmenter la note, hein, si tu veux. Comment ? De toute façon, la danse, je veux pas faire plus, quoi, c'est une danse. Hein. Ah si, on peut faire plus. C'est quoi, c'est... Tranquille. Hein ? Tranquille, hein. Lundi, on verra. Ok. Du coup, vas-y. Ta sœur, c'est la petite ou la grande ? Elle change de sujet, c'est frère. C'est la grande. Ok. Vas-y, Scarlett. Pourquoi ? Non, comme ça. Tu veux qu'elle danse avec moi ? Les deux en même temps ? Ouais. Déjà toi, ça va être dur. Alors les deux, ça va être compliqué quoi. Pourquoi ça va être dur comme ça ? Bonsoir, qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir. En fait, Scarlett. Ça va quoi avec toi ? Ouais, cool. J'en ai fait des danses, hein, mais je sais pas, je suis pudique. Je suis la serveur. T'es pudique ou t'es pas dans des trucs comme ça ? Moi, je peux pas t'oublier, t'es un ouf. Oui, t'aimes pas. Tout le monde est choqué, mais. Tu te cherches. Comment je peux t'oublier, gars ? Si, moi j'aime bien, mais voilà quoi, je suis. J'ai pas l'habitude. Ouais, j'ai fait un bigoudi. Ah ouais ? Ouais, c'est ça. Faut me guider, quoi, faut m'apprendre. Tu fais pas. Après, si tu veux, je peux danser en vêtements. Si t'es trop gêné de voir. Je sais pas, on verra, mais je pense pas. Vas-y, les gars, les modos, bannez-moi voir cette phrase. Je sais quelle tenue je vais mettre lundi, de toute façon. C'est quoi, un teaser ? Un teaser, ouais, c'est ça. Une
Tu verras. Il y a un endroit où je peux m'asseoir. Je veux un teaser, justement. Non, je vais donner trop d'indices. Tu veux qu'on fasse ça où? Parce que moi, j'ai vraiment pas d'endroit dans le nord. Il y a plein d'endroits. Au pire, il y a chez moi, il y a chez mamie. Je pense que mamie, elle voudra. Après, si tu veux, on peut faire ça dans le sud, hein, y a pas de problème. Hein. À l'unicorn. Non, dans le nord, c'est mieux. En fait, je veux pas d'être. Je veux pas que ça soit pareil que tes clients. Tu comprends? Ouais. Du coup, en fait, je veux quelque chose d'unique. Bah, c'est unique déjà, je t'ai même pas parlé de paiement, donc. Ce serait unique. Ah ouais, c'est vrai. R3, t'as de la visite. Salut Piston, ça va? Ça va, tu vas bien? Bonjour. Ça va bien, oui. Ça va, tu vas bien. Ça va, ouais. Mais c'est ce qu'il y avait, je la reconnais. Ouais, on discute. Eh bien, ouais, ça va, ça papote. On parlait pour lundi. Ça avance, oui, ça va, vous deux, oui. Ça va? Ouais, ça va, ça se passe. C'est-à-dire, vous êtes. Bonsoir, R3. Par contre. C'est sûr que dans le tas, je sais pas y'a qui, hein. À tout moment, y'a un agent, il envoie un appel, hein. Là? Ah ouais? Bah oui. Un qui touche à Copperfield, il est touche à moi. Et bah du coup, faites une visite express. Mais là, à tout moment... On est pas les bienvenus, vous voyez? Ah mais non, ouais, mais vous êtes... Ouais. Bah non. Regardez ce qui se passe. Vous êtes le bienvenu. R3, mais... c'est honteux, là. Vous êtes le bienvenu, juste, je vous préviens. Des éventuels, je vous préviens. Et comment on peut me reconnaître? Ah mais moi, je me suis pas changé. Bah ouais... Mais je suis au travail, moi c'est le boulot, c'est pas facile de... Moi aussi, c'est pour ça, là, j'avais un petit moment de détente, vous, voilà, vous venez d'arriver. Et elles sont où les... Parce qu'il y en avait d'autres, là, des prétendants? En fait, il a vu la photo sur Life, il pense que non. Il y en a qu'une, mais je vous dirai en privé, c'est laquelle. Parce que moi, je sais que vous êtes quelqu'un de sérieux, fiston, hein. Ah oui, je toujours. Je fais pas de bêtises. Mais déjà là, je vais accepter une danse, c'est quelque chose, hein, je... Avec qui? Avec elle? Oui. Scarlett. Ah. Mm-hmm. Très bien. Parfait. Et lui fendez pas le cœur. La procureure derrière là-bas, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je vais pas fendre le cœur. Attends, je reviens. Monsieur. Eh, Diamond, ta copine, je l'ai virée de la baraque. Mais t'as oublié que j'étais propriétaire. Et alors, si tu je l'ai racheté. Tout le monde dégage. Hein? T'as rien acheté encore, tu me dois des sous. Oui, mais en gros, j'ai un paiement à te faire. Pourquoi tu l'as viré? Eh, Chicago, tu veux jouer ou qu'est-ce que tu cherches quoi là? Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce tu reviens en gros, tu crois qu'il allait. Quoi? Tu penses qu'il allait faire quelque chose? Non, pardon, je l'ai dit. Elle voulait pas venir. D'accord. Mais pourquoi tu l'as viré? Parce que les relous, j'en veux pas dans cette baraque. À un moment, on a dit une photo, elle faisait des manières bizarres, elle manque de respect, je lui parle, je dis rien. Elle vient, elle entend pas, truc. Non. Pourquoi t'es comme ça? Elle est venue, elle a fait quoi? C'est quelqu'un de respectueux. Il y en a une vingtaine. Avec aucune, j'ai eu un problème. Là, c'est la seule. Ok, ouais. S'il vous plaît, messieurs, un peu moins de bruche avec ma dulcinée en haut. Allô? Ouais, c'est rien. C'est des invités. C'est déguisement, c'est un cosplay nord. Cosplay militaire, cosplay milice. Vas-y. C'est vrai, hein? Non. J'arrive. Pourquoi ils sont venus? Attends. Bonjour madame, passez une bonne soirée, super, ça se passe? Impeccable. Pourquoi ils nous enfilent, quoi? Vous devriez, oui? Écoutez, c'est dangereux, faut y aller. Bon, on y va. C'est un cosplay milice! Cosplay milice! C'est cosplay milice, tu l'as tout fait en titre de Michel Cooper! Venez, courez! Vite! Eh, c'est un niqué, wesh! Star, trois fois par jour. Ouais, Diamond, je disais. Ah, tu connais Robert. Juste pour une histoire de photo, mais toi, t'es un vrai dictateur. Tu fais quoi, Jason? Non, c'est tout un comportement, c'est toute une manière mais, en fait. T'es chiant en ce moment. Donc c'est une pâté. Diamond, comment ça s'appelle déjà? Tout à l'heure tu m'as appelé, je t'ai dit oui. Tu m'as dit Chicago. T'as une manière de parler, tu prends les gens de haut. Alors quoi? Oui, moi je te le dis. Pourquoi t'as vu ce comme ça, toi?
bah j'ai jamais voulu prendre de haut. C'est ce que tu fais. Mais écoute, c'est bon, bah c'est pardonné, vas-y, c'est bon. Mais non, mais R3, juste tranquille. Parle aux gens, je sais pas, je d'une manière. Quand tu m'as chassé, j'étais en train de parler tranquillement avec Devon, on rigolait ensemble. Tu l'as chassé. Toi, Damon, je lui parlais de la mort. J'ai chassé ma Dulcinée en plus. Mais Chicago, par contre, est-ce que j'étais déjà manqué de respect? Une insulte, non, jamais. Oui, quand tu m'as déjà frappé. Ah bon? Pas raison d'ailleurs. Oui, tu te rappelles l'espèce d'enfoiré? J'ai dû courir presque à moitié à Walp jusqu'au poste de police. Ah, mais là j'étais alcoolisé. Ah, c'est pas parce que t'es alcoolisé que ça excuse. La demoiselle à qui vous avez volé la moto devant le poste? On a tous eu des tordes, on a dit. Les gars, vous allez pas me chauffer là, vas-y. Oui, mais vas-y. Mais moi, je pense pas t'avoir manqué. Putain, vous m'avez mis le démon en deux secondes, ça m'a rappelé des trucs. En fait, c'est un animal, il s'en rend même pas compte que lui, il est fou, et après, il reproche aux gens. Non, R3, t'es vraiment un malade. Écoute, t'es vraiment fou dans ta tête. En fait, t'as deux personnalités, mec. C'est pas possible. Pourquoi tu parles comme ça, toi, mec? Mais tu parles pas comme ça d'habitude, Damon. Je vais partir en cours, je viens. Non, mais Damon, comme. Mais là, arrête de me faire l'acteur, là. Et tu parles jamais comme ça, toi. Mais si, tu parles jamais comme. Mais toi, mais c'est quoi ce compte son camp, là? Mais toi, t'es pas deux personnalités, c'est deux personnes, là. C'est... Pourquoi tu parles comme ça, là? C'est quoi ce rire? Tu rigoles jamais comme ça, Damon, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que. Mais si. Ah, bah, je suis curieuse de savoir comment il parle, du coup. Mais il parle, mais d'habitude. Mais. Mais. Je suis grave doux, moi. Bah oui, j'aurais adoré. Chicago, je te pardonne, c'est bon, juste, voilà, et un minimum de respect. Et ce qui s'est passé avec Creepy est mort, je suis R3, d'accord, Creepy est décédé, putain. En général, il est décédé, Creepy. Monsieur Bishop, hein. Oui, mais Bishop, c'est un autre truc, ça. Ah, c'est vous? Non, mais écoute, bébé, faut que tu comprennes quelque chose. Lui, il essaye de s'en sortir, tu vois, en fait... Ce que son père a fait de cet enfant, il l'a pas éduqué. Mais... Il l'a ramené dans des choses difficiles. Est-ce qu'un là, jour j'ai associé. Tu sais, mon père, qu'est-ce qui s'est passé à mon père? Mon père, sa femme, hein, Émilie, elle l'a trompé. Mm-hmm. Elle l'a trompé avec Juan. T'imagines, elle était enceinte, elle l'a trompé. Et pas qu'avec Juan. Je sais pas avec qui d'autre, mais avec beaucoup de personnes. T'imagines ce qu'il a vécu, mon père? Hein? Oui, je l'imagine. Tu sais, c'est quoi se faire tromper? Est-ce que tu sais, c'est quoi se faire tromper, Chicago? Non, je si sais demain pas. T'apprends que Damon il t'a trompé, qu'est-ce que tu fais? Je fais du beatbox. Mais je commets un homicide sûrement. Mais c'est ça, ça veut dire. Comprends-moi, moi j'ai perdu mon père. L'autre fois je te parlais, j'expliquais quelque chose, tu t'en foutais. Tu vois? Je m'en fichais pas du tout, n'importe quoi. Blake! Eh, tu peux me passer la serpillère dans le salon là-bas au fond? Comment ça, je suis ta femme de ménage? Ah, c'est bon, c'est pour des manières. Bon, t'es viré. Non, vas-y. Non, mais ça, c'est Damon qui croit que je suis comme ça, alors que non. Chicago, écoute pas, il est complètement malade. Qui est mon amour? Attends, non, mais c'est pas le moment. Damon. Non, mais écoute-moi. Non, retire tes mains, ça va pas ou quoi? On est en train de discuter. Putain, oh. Ma mère. Calmer, je sentais que la pression montait. Mais je suis super calme en plus, n'importe quoi. Ma mère, okay, il la trompe comme pas possible. Vous avez m'énerver. Non, clairement pas, mais c'est juste que. En fait, il essaye de s'en sortir, le petit loup, là. C'est devenu un autre enfant. Est-ce que je l'ai un jour associé à quoi que ce soit? Je sais pas ce que tu racontes. Quoi? Mais t'en sortir, devenir quelqu'un de très respectable qui fait des soirées. Je le suis, regarde. C'est quelqu'un de respectable. Merci. Pourquoi Chicago, c'est quand on prend le bâton que l'humain comprend? C'est pas possible. Non, ça. Attends, tu parles de moi là par contre? Bah oui. Parce que je t'ai toujours respecté, hein. Par contre, vraiment. Ah non. Comment ça, non, moi? Mais par contre là, si c'est vraiment comme ça que tu le sens, parce que là j'ai pas du tout changé mon comportement vis-à-vis de ce que t'as fait, hein. Tendre le bâton c'est bien mignon, mais je t'ai toujours respecté, hein. Rien d'autre. Si t'estimes, respect, mon frère. Si t'estimes que c'est pas le cas, écoute, je pars tout de suite, parce que ça va pas changer dans le futur. Hein. Mais non, ma petite Chipolata, ça va aller. Hein. Ah non, mais je respecte tout le monde. C'est bon, Chicago, là. Tu nous pètes les couilles, là. Parfait. Je préfère. Elle est pas procureure pour rien. T'as vu comment ça à la maison? Elle a te prend la. Non, mais Damon, non, mais c'est mort, toi. T'as laissé le yaourt sur la table. Tu déconnes ou quoi? Je sais pas. Oh là là, laisse tomber. Oh, c'est dur. Je vais faire genre que je t'embrouille pour ça. Oui, maîtresse, je m'excuse. Pardon. Bon. Et on peut rester à ta soirée ou. Je dois hypothéquer ta maison, enfoiré, va. Vas-y.
j'ai pas envie que tu le menaces pour qu'il me laisse rester. Mais non, mais t'as en fait, pas envie de ça. J'ai même pas écouté. Il a mal à la tête. Je l'ai même pas écouté. J'en ai rien à foutre. En fait, il est trop. T'as vu, je disais, c'est un piment. Bon, venez, 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 venez. Suivez-moi. Suivez-moi. Allez hop, il veut me faire couper RP, vas-y, viens. Viens, ta grand-mère. Cette pute là, il me fout la haine. Viens. On nous a même tué. La marquise, ça fait 2 heures, il a avec elle. Ok, hop, entrée. Non, pas celle-ci, merde. Attends, regarde pas l'affiche Chicago, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas ma bite, hein, pas. Par... Non. Attends, reviens. Sortez, sortez. Je l'ai braqué, je vais faire une dinguerie. Attends, il y a un troisième étage. Ah oui, oui. Ouais. Ok, ici. Bon, hop. Mm. Je te retire ton costard. Tac. Hop, je te retire le haut. Hop, mais le bas, je baisse. Tac. Bouge pas. Oula, tac. Oula, tac. Oula, tac. Oula, tu fais quoi? Je prends la ceinture, je tire, je prends le pantalon. Hop, tes chaussures. Malade, hop, mais... tout. Toi, Chicago, je prends la. Non, je te laisse faire ça, Diamond. Je ferme la porte à clé, je ressors pas tant que j'ai pas y a les capotes juste ici là sur la table. Je vous ouvre pas la vie de ma mère, j'ouvre pas. Je vous jure sur mon père qui est mort, j'ouvre pas la porte tant que j'ai pas la capote avec du sperme dedans. Allez, vous me faites les amoureux et ben vous allez baiser. Vas-y, allez-y. Je ferme ma clé. Hein. Hop, voilà. Ah viens, on baise. Hein. Allez, vas-y, courbe le dos là. Chut, on s'en fout. Oh, attends, on a habitude, on a déjà fait un parcours. J'aime ce que j'entends. Viens, viens. Allez. Move your ass, babe. T'as envie au moins? Quoi? Et tu vois pas là, je suis déjà en train de bander? Vas-y, c'est bon. Hop. Ça va pas. Ouf. Pomme de terre. Ah, c'est réel. Ah non, c'est trop, frère. La vie de ma mère, c'est trop. Oh. Ah, ah. J'entends des trucs, moi. Ouais, ils sont en train de... Je voulais m'asseoir pour manger un truc, s'il te plaît. Ah, c'est dans le jardin, par contre. Ah, ouais. Ok, bah allez, je t'ai pas trouvé. Attends, j'arrive, attends. Mais de toute façon, t'es déjà en cloque. Ça va pas te faire pousser. Ouais, même règle, même règle que pour Diamond et Chicago, ils sont en train de faire. Hop, je te retire ton haut, hop, je te retire le bas, hop, je te retire, hop, qu'est-ce que tu fais là? Je retire le pantalon, viens là, vas-y, bouge pas, je te retire le pantalon, je te tiens, je retire le pantalon, hop, je l'ai fait à Chicago là, Diamond, allez hop, je retire, hop, et je ferme la clé, je n'ouvre pas tant que... Hein, les capotes sont juste ici. Tant que j'ai pas la capote qui est remplie. Hein. Je ferme ma clé, hein, t'as pas les clés. Hein. Je ferme ma clé. Je ferme, hop là. Tac, c'est fermé. T'as pas les clés, hein. Je t'ai pris les clés. Hein. J'enlève le pantalon, du coup, c'est ça? Non, ça va pas. Ah, j'ai pas compris. Et vous êtes non. J'ai tout niqué, là, ma soeur. Je suis la soeur de la croix. Non, c'est vous sa soeur? Oui, ah, je venais prendre cette belle petite photo que l'Ardenne va gentiment m'expliquer. D'ailleurs, c'est parfait qu'il soit là. Laquelle? Quelle photo? Bah, celle-là. Ah, je t'explique. Ah. Ça, c'est papa, RIP. Ça, c'est notre belle-mère, une meuf qui l'a pris. Elle l'a trompé avec Juan et d'autres personnes. Que je vais te dire ça plus tard. Ok. C'est d'autres gens. Mais elle a un bébé, là, quand même. Oui, elle a un bébé et le bébé. Ah oui, c'est le la bébé. Femme il y avait manque. Le bébé, en gros, je sais pas, il a disparu. Du coup, papa a tué la belle-mère parce qu'elle a trompé et elle a caché le bébé. Tu comprends? Ouais, c'est ma sœur IRL, elle joue, je lui ai acheté un PC. Et là, c'est Sony, je l'ai barré, c'est un fils de pute, du coup, je l'ai barré. Puis mais voilà. Tu peux m'expliquer, genre, comment c'est possible? Vous étiez tout le temps ensemble, je comprends pas, là, en fait. C'est trop long, c'est pas le moment, tu vois. Est-ce qu'un jour, ça sera le moment? Oui, t'inquiète, mais t'es arrivé aujourd'hui doucement. Pas me choque. Ça, c'est ta chambre, non? Sacré caractère, ta sœur. Je sais pas du tout. Non, c'est pas ta chambre, celle-là. Elle est... Non, moi, la mienne, elle est là-bas, là. Ouais, il y a une belle. Parfait. Attends, je dois juste récupérer un truc. D'ailleurs, moi, je peux me donner la preuve pour rouvrir. Tu vois? Bah, en fait, le problème, c'est qu'on a fait 100. Ah, bah. Ah, Diamond! Ouais, c'est moi. Celui qui tient le casino. Tu leur ouvres.
Je reviens, oui, Fibre. Pas enchanté. Ouais, c'est bon. Oui, je tiens le casino. Effectivement. Enfin, ma société. D'accord. Ouais, parce que j'entends pas. C'est moi, je l'ai ramené. C'est moi, j'ai tout bon, fait. Bon, je vais lui baiser sa mère. Fils de pute. Oh, tu t-shirt aussi, ton bas aussi. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma chambre, c'est ma chambre. J'ai grave des habits. Viens, viens, avance. J'ai grave des habits. Viens, viens. Oh là là. Ayana, t'es contre? Ah ok, bah c'est mort, ah, je pensais à des trucs, bah c'est bon, bah restez sans rien, vas-y, restez. Ah bah oui. Vous voulez travailler dans ce domaine-là du jeu? C'est ça, c'est la ça. La vue, là, m'extermine, frère. Toi, je te vois quand, toi? Attends, laisse-moi, je suis en... Tu vois pas, là, je... Oui, ça prend 5 minutes pour discuter. Vas-y, j'arrive, t'inquiète. Ah merde, j'arrive pas. Casse les couilles, j'ai fait des réunions toute la soirée, là. Vas-y, attends. Yo, Marquis. Vas-y, genre. Mais c'est pas possible, ça fait deux... Franchement, vous... c'est quoi le souci? Non, non, vous avez droit. Désolé, excusez-moi, je ressors. Désolé, le dev, hein, c'est vrai que c'est interdit de rentrer dans ton bureau, pardon. Les gars, c'est pas possible, frère. Même moi, je vais faire. Allez, vous voulez que je vous choque, le chat? Tu m'as fait le tatouage. Le tatouage sur ton front. Lequel? Bon, mon lit bleu? Non. Mm-hmm. Il m'est arrivé une galère, là. Ok. En fait, j'ai... Comment ça s'appelle? Tu vois, la chambre de Guapo? Mmh. J'ai renversé un jus d'orange dans son lit. Mais je sais pas comment faire, comment changer le drap. Je sais pas comment ça se passe. Vas-y, montre-moi. Ah ouais, attends, vas-y. C'est laquelle? Viens, c'est en haut. Il est pas là. Ah bah voilà. Mais est-ce qu'il frappe toujours? Je l'ai tué. Non, il me frappe plus. Enfin, c'est pas qu'il me frappe plus, c'est que je l'ai pas encore croisé. Mais je vais réussir. Mais je crois qu'il est censé me frapper. Ça marche. Scarlett, elle m'a vu. Ouais, j'ai après, vas-y. Ouais, non, ça t'écoute, on t'a rien demandé, cousine. Je te jure. Je fais ce que je veux déjà, si je veux écouter, j'écoute, je suis chez moi. Non, ça t'es chez toi, là. Ah, on fait son pain, hein. Il y en a Carnac, il y en a qui custom, moi je custom. T'as voulu surtout m'arnaquer. Voilà, tu as rien fait. Non, même pas. T'as juré juste pour que toi. Regarde, vas-y, regarde. Ok. Eh, vous avez. SK7, hein. Ok. Mais je. C'est quoi ça? C'est ma mère. Attends. Ouais, Guapo, tu permets, je t'emprunte ta chambre vite fait. Ouais, vas-y, tranquille, normal. Maintenant, Luna, tu vas bien tranquillement? Ayana. Mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, on discute. Ah, balle. Bah, discute bien. Levé, normal. Vas-y, là, je dis quoi? Ok. Ah, c'est. Putain. Mmh. Le lit. Bah, il a changé, en fait. En fait, il l'a changé. Mmh. Il a l'air d'être très propre. Ouais, il l'a rechangé. En fait, je crois qu'il a ramené Ayana pour ça, je crois. Oh non. Je pense qu'Ayana n'est pas encore prête à ça. À quoi? Déjà pensé à un autre homme. Comment ça? Tout à l'heure, j'ai entendu Derek dire qu'il n'était plus avec. Hein. De quoi? Tu penses qu'ils ont fait quelque chose? Non, moi je te dis, Ayana, je pense qu'elle n'est pas prête à faire quelque chose avec qui que ce soit. Là, maintenant. Ah, oui, mais c'est pour ça qu'il a ramené juste changer le drap. Mmh. Ouais, nous, on est... tu sais, nous... À Watt, c'était nos mamans qui faisaient tout, quoi. Ballet. Mmh. Ça veut dire que c'est pour ça, on était... Là, on se retrouve avec une maison, il y a plein de trucs à faire, des... Là, on est débordés. C'est de l'entretien, hein, c'est une responsabilité. Il y a plein de mecs qui ont juré. Sinon, toi, ça va, Luna? Ça va très bien, et toi? Tu sais ce qui s'est passé tout à l'heure? Enfin, non, je vais pas te dire. Je te jure, je vais pas le dire. Enfin, ça sert à rien. Non, dis-moi. Non, vraiment, je vais pas te le dire. Parce que c'est sûr que tu as balance. Mais attends, vraiment, tu as pas confiance. Hein. Jure-le sur quoi? Bah, tu... Regarde, là, il y a mes trois doigts. Là. Enfin, mes trois doigts, ils sont bien écarquillés. Je le jure que je ne répète rien à personne. Je ne dis rien à personne. Les gens s'en foutent de ma vie. Voilà. Bah, regarde, je te dis pas qui. Mais je te le dirai plus tard, ne cherche pas à savoir. Si tu cherches à savoir, c'est qu'un, tu m'aurais balance. Mmh. Bref, il y a une fille qui est venue, qui m'a fait une sorte de...
de crise de jalousie bizarre en me disant... vu que je parlais avec toi. Attends, qui a fait ça? Ah, c'est pas des billes encore. Qui t'a fait une crise? Il y a eu un tir, tu m'attends juste deux petites secondes. Ah si, hein. J'arrive. Ça a tiré, je crois. Va voir, cheveux. Il est au courant de ça, lui. Eh, ça a tiré? Ouais, ça a tiré à droite, à droite. Dehors? Non, à droite, là, dans la chambre. Oh, Thaïs! Ouais, Qui t'a tiré dessus? Je me suis fait bolos. Par qui? Putain, je suis une merde. Par qui? Par un gars chez toi. Qui ça? Je sais pas comment il s'appelle. Guapo? Je sais pas. Et Yvonne? Non, je crois pas. Mélo? Putain, tu peux m'aider à me relever, s'il te plaît? Oui, tiens, vas-y, lève-toi. Trouve-moi c'est qui, prends l'en photo, envoie-moi, ok? Ouais. Vas-y. Vas-y, rien à foutre là. Ah ok, elle est là. J'allais tout niquer, hein. Ouais, je suis là. Eh oh. Ouais. Ah, c'est les photos? Non, Doa, y'a pas les tatouages, non. Lesquels? Sur la dernière. Putain. C'est terrible, ça. C'est... Oh, attends, faudrait que je te refasse des photos. Mais quand j'aurais réussi à régler le premier appareil photo avec lequel tu avais pris les premières photos, tu sais. Vas-y. Ça, c'est le nouveau que j'ai eu, là, il y a pas longtemps. Frère, elle est trop forte. Très, très chiant à régler. Tu t'en payes, hein? Tu me dis, hein, moi, je... Non, tranquille. Mais du coup, ouais, je disais... ouais, elle a fait une... C'est elle a fait une sorte de crise bizarre. Mais elle m'a dit que c'est pas la seule à penser ça. Oh, madre mia, tu sais, il y en a plein de filles de Chica qui sont jalouses de moi. Dis-toi, j'ai pas beaucoup d'amigas parce que... Elles veulent pas trop s'approcher de moi par peur de... Je sais pas. On m'a dit qu'elles avaient peur que j'avais piqué... Que j'allais piquer leur mec. Que je suis pas comme ça. Mais tu sais, c'est pas grave, hein, écoute. C'est la vie. Je m'en fous de ce qu'elle pense, c'est la Chica. Déjà, ça me dérange pas. Tiens, pour les photos. Non, tranquille, j'ai pas besoin. Si j'insiste, moi je suis un bon payeur, moi. Je suis obligé, moi je paye. C'est pour merci. Ça. Je permets deux petites secondes. Hey. Viens. Suce le canon, suce ta grand-mère. Non, hein. Pourquoi? Suce-le. S'il te plaît. Suce-le. Vas-y. Non, bah elle peut partir la dame. Vas-y. Ah ouais, désolé, j'arrive. Suce le canon, ta grand-mère, suce. Oh, c'est bon. C'est toi qui as repris Norwatch, fils de pute, va, espèce de... Putain, vas-y, dégage. Vas-y, elle aime trop aller dehors, frère. Y'a pas dehors, on vient devant le bed, devant le bedroom. C'est moi, je les shoot. C'est Thaïs par rapport à un truc. T'as vu, elle a pas peur, cousin, par rapport à. Elle a pris une balle, mais elle a pris une balle dans la jambe, hein. En désir. Il est con, quoi, lui. Ah, ouais. Du coup, je disais, ouais. Que. Et t'as une chaise. Une chaise? Non. Tu peux t'asseoir pour manger. Toko, ramène-moi une chaise. Toko. Il est encore là. Ouais, je sais pas ce qu'il veut. Hein. Une chaise, ramène-moi une chaise. Non mais après moi je lui ai dit en fait parce que comment dire, j'ai dit à Déby que qu'en gros
Parce qu'en fait, avec des billets, on a déjà eu une histoire, tu vois. Et elle veut qu'on se remette ensemble. Car voilà, j'ai improvisé, je sais même pas la prochaine phrase que je veux dire. Et vu que, comme j'ai dit, elle veut qu'on se remette ensemble, elle m'en a parlé, tu vois, ce soir. Elle m'a dit, c'est quand, tout ça. Moi, je lui dis, non, j'ai pas envie, je pense à quelqu'un d'autre, tout ça. Et elle m'a demandé, c'est qui, tu vois. Du coup, voilà, quoi. Et dès que je lui ai dit, elle était pas contente. Tu penses à moi? Ah non. Pourquoi tu dis ça? J'ai jamais dit ça, moi. Parce que je t'ai dit débile, je suis sûre celle qui a dit qu'elle était jalouse de moi, juste avant, mais tu as pas répondu. T'as pas dit oui, t'as pas dit non, t'as rien dit. Pour moi, c'est oui. Donc, c'est débile. Hein? C'est débile qui était jalouse de moi? Ou pas? Oui. T'es trop... Okay. T'es intelligente, hein. La matrix, on va croire que c'est une craque. Bah, j'ai réfléchi. On va croire que c'est une craque. Donc ça veut dire que par le biais de cette supposition. Juste quelques indices, t'as trouvé, c'est une dinguerie. Bon, c'est normal. Ne me fais pas pour croire que c'était intelligent de ma part, c'est logique. Oh là là, cramé. Un peu quand même, hein. Je pense pas que quelqu'un d'autre l'a trouvé. Peut-être. Non, t'es maline hein, quand même. Mais. J'ai dit c'était toi, Luna. Voilà, allez hop. Voilà, j'ai dit c'était toi. Je m'allume un joint. Histoire de. Hein. Tu veux fumer? On sait, balai. Ah ouais? Mais. Gracias. Juste en gros, si tu fumes. Tu te brosses les dents? Bah, c'est. La classique, hein. Parce que tu crois que je me brasse pas les dents? Non, parce que t'as les dents jaunes un peu, c'est pour ça. Ok. Comment ça, j'ai les dents jaunes? Souris un peu. Non, arrête, tu vas me gêner, hein. Ah non, mais y'a rien, tu sais, moi je suis pas compliqué, hein, je te mens pas. C'est pas gentil de dire que j'ai dents jaunes. Bah, si, moi je. C'est le. Enfin. Vas-y, mais en vrai... C'était lunettes, hein. Tu devrais les changer. Elles sont blanches. Mais lunettes, t'aimes pas? Non, je te pète ta collection. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un petit filtre jaune dessus, c'est pour ça. Ah, allez, c'est bueno. Mais du coup, là, je... Enfin, t'en penses quoi, là, ce que je viens de te dire? Je sais pas trop. La ma mère, vas-y, propose une scène masterclass. Non, mais en fait, je suis pas amoureux. Hein. Attention, j'ai ramené la chaise. Merci. Toi, je t'impose ici. Merci. Gracias. T'as mis un garde devant la porte? Non, c'est qui? Il y a encore un autre tchèque là qui est là-bas. Je l'ai vu. Elfie Saint-Michel, là. Il y a d'autres personnes, hein. Attends, je vais les faire sortir. Putain, mais tout... Attends. Ils veulent trop écouter, hein. Mets-le. Ouais. Mais tu peux te mettre là. Tu laisses personne passer. Personne. Gros, j'ai d'autres chats à fouetter. Toco, tu me fais ça. Vas-y, Toco, fais-moi ça. Vas-y. Reste là, Toco. C'est bon, j'ai mis un garde. J'ai mis un garde, Luna. En fait, je t'explique. Moi, en gros, Déby, elle m'a dit oui, mais si tu veux pas de moi, tu vas finir avec qui? En gros, il y avait un contexte, tu vois. Elle m'a dit, tu veux finir avec qui? Nanani, c'est qui? Il y a personne, elles sont toutes prises, nanana. Et moi, je dis non, mais en vrai, oui, mais c'est... On s'en fout, bref, je parle. Mm-hmm. Après, j'en suis venu, je lui dis, ouais, si il y en a potentiellement une dans le sud... En gros, je lui dis une. J'ai choisi une dans le nord, une dans le sud. En vrai, m'a fait un sorte de dilemme. Ah ouais, la bulle est forte, hein. Je suis obligé de jouer, hein. Ah ouais. Putain, ça c'est de la cali, hein, ça. Putain. Les gars, c'est pas de ma faute, persuadé. Attends. Ouais. C'est bon, c'est. Tu racontes. C'est. J'ai fumé deux joints, moi, là. Tu vois pas.
Ah, t'étais vraiment défoncé. Ouais. Mais du coup, je te disais, là, en gros, je lui ai dit... Je lui ai dit, choisis une dans le nord, une dans le sud. Du coup, j'ai dit, bah, si dans le sud, je dois potentiellement construire une relation avec quelqu'un, bah, vas-y, Luna. Et dans le nord, j'ai dit Scarlett. Valet. Et voilà, et elle a fait une crise, mais pas sur Scarlett, sur toi. Bah, c'était sûr qu'elle m'aime pas. Du coup, tu sais, à cause de cette histoire de... porte plainte, je pense. Mais en vrai, tu veux partir et t'as plainte déjà sur ça. Enfin, de toute façon, c'est vrai, tu sais qu'ils l'ont repris à l'hôpital. Oui, c'est pour ça que j'ai même pas été voir la police. Et, je me suis dit, vas-y, vas-y, c'est bon. Et la police, sincèrement, ils se bougent pas le cul sur les plaintes. Ils s'en foutent. Mais... D'aller, ok. Ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi pour cette... Enfin, c'est honorable que tu m'aies choisi pour dans le sud. Je suis ta reine du sud, c'est ça? Ça dépend de toi, ça. Hein, ça moi, je suis là, mais je sais pas, moi, ça dépend. Je sais pas. D'aller. Tout dépend, hein, tout dépend de... Parce que toi, là, c'est comment, toi, ouais, avec l'autre, là? T'as vu, la dernière fois, creepy. Oh, ne tombe pas. Hé, oh! Désolé, excusez-moi. Parle fort, là. Désolé. Excusez-moi. Excuse me. Ça va aller, ça va. Oh, c'est le... Toi, t'as rien fait, là, le joint. Ouais, ma... Ça m'a un petit peu sonné, hein, là, je suis chill, tu ne remarques pas, je suis plus calme que tout à l'heure. Tu as une bière, tu as une tequila. Chacun, on trinque. Tu me demandes... À débit, la pute, à débit. À débit, non, je dis pas la pute. Dis-le, t'inquiète. À débit, la pute, ok, allez. C'est ça. Allô. Mais du coup, ouais, ça dépend de toi, enfin ça dépend de... Parce qu'en fait, tu veux faire quoi de ta vie, toi? Être une femme puissante qui est à toi, moi. Enfin, j'ai envie de tout gérer. Tout ce que je prends, j'entreprends, j'ai vraiment envie de tout réussir. Ah ouais? Ouais, je cache. Mon rôle de mère, mon rôle à mon entreprise, etc. Tu sais, je suis qui, moi? R3? L'Arden? L'Ardenne comment? Bishop. Et là, je dois hériter de l'héritage de qui? Monsieur Bishop. Du coup, si toi tu veux tout contrôler, faut que tu sois bien entouré de gens qui contrôlent déjà beaucoup. Pas vrai. Pas faux. Ah oui, ça facilite. C'est. Sinon, faut faire comme moi, partir de rien, mais bon, c'est... C'était dur, hein. Je pense pas que toute seule, enfin, tu peux le faire, quoi. Non, c'est vrai, il faut toujours être un peu épaulé, parfois. Et quand tu dis tout gérer, c'est... Il va venir. Rien, je dis ça comme ça, moi, je dis ça comme si je dis ce qui me passe par la tête, tu vois. Non, tranquille, j'écoute, ne t'en fais pas, c'est juste que je me posais une question, du coup, c'est pour ça. Ouais. Et quand tu me demandes par tout gérer, c'est ça, je sais pas. Si d'autres opportunités se présentent à moi, je serais peut-être oui. Et des fois, l'opportunité, elle est plus proche que l'on croit. Ouais, y a un truc à faire. Hein. C'est-à-dire... Je suis maligne, mais pas au point d'être médium. Que sur le... Si, moi j'ai hérité de l'héritage de mon père tout seul. C'est que j'ai fait le nécessaire pour que dans les papiers, je sois le seul. Tu comprends? Et moi, je suis pas... Enfin, il n'y a qu'un seul éternel. Donc moi, je... À un moment ou l'autre, je vais tomber. Et qui va hériter de ça? Hop, je la chèpe pour son fils, là. Attends, quoi? Quoi? Bah, tu comprends pas? Tu veux... Quelqu'un qui hériterait de toi? Non, c'est juste que... Qu'en gros... Non, je te dis ça comme ça. Famille.
Pas du tout. Tu veux me marier? Bah, des enfants avec moi? Bah non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, c'est... En fait, c'est imaginons qu'on construit quelque chose ou qu'on commence, quoi. Mm-hmm. Bah, il peut potentiellement avoir ça. Mais c'est un test, tu seras en test. Parce que j'en ai eu trois. Trois copines. J'ai eu... Et les trois, c'était... Enfin, elles avaient pas les épaules pour tenir ce poste. Allez. Tu penses que j'aurai ses épaules ou tu... Je sais pas, mais j'ai l'impression, en tout cas. En tout cas, t'as des objectifs. Déjà, c'est rare. Mm-hmm. Voilà, comme c'était... Mais voilà, je suis normal. Je suis normal, frère, là, je parle bien. Vous voulez que je fasse quoi? Je la prends, je dis, ouais, accepte l'anime. Je veux te baiser. À quoi bon servir de vivre si tu n'as pas d'espoir? Ouais, c'est vrai, ça. Bah, il y en a où ils vivent au jour le jour. Hein. Moi, c'était ça. Hein. Je me réveille, juin, vert de sky, je baise. Vert de juin, vert de sky, je baise, bonbonne. T'as déjà fait des bonbonnes? Tu sais... Non. Jamais? Non, jamais. Juste cocaïne. Ouais, cocaïne, mate. LSD, crack, MD. Hein, je suis dans toutes sortes de substances. Mortel. Ah, c'est, je me souviens d'un creepy qui était comme ça. Ouais, je consomme. Même là, je consomme. Hein. C'est juste que là, j'ai des responsabilités. J'ai derrière la baraque. 5 millions. La voiture, 1 million 2, payé cash, tout à l'heure. Madame. Ouais, c'est pas une location. Ah, ben oui. On essaie de 100 000 autour du cou. 80 000 sur le poignet. Tu peux me rendre un service ou pas, Luna? Madame. Tu peux faire un petit bisou sur la montre. Un besos? Ouais, mais... Jeff. Mmh. Ouais. T'as vu, là, t'as embrassé 90 000. Tu vois ce que je veux dire? Et encore un petit bisou de rouge à lèvres dessus, tu m'excuseras. Ouais, tranquille, ça donne son charme. Du coup... Putain. Je reviens. Je vais le dire. Y a personne. Ah, tu crois qu'il y avait quelqu'un? Ouais, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Je suis quelqu'un de très pudique. J'ai remarqué. Dimitri, pudique. Ouais. Tu es plutôt... Comment? C'est-à-dire... Tu es quelqu'un qui est introverti aussi? C'est-à-dire... Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup aux gens autour de toi. Tu vas plutôt attendre les gens qui viennent discuter avec toi. Non. Ça dépend. En fait, ça dépend des moments. Ça dépend. C'est-à-dire, des fois, je suis... En fait, ça dépend de mon humeur. Ton humeur. Ah, je suis pareil, tu vois. On a un point commun. C'est... Attends. Allô? Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est un de tes gars, mais tu sais, c'est un mec avec les cheveux gris et un peu en mode touffe. Tu vois ou pas? C'est un méga ça, mais pourquoi il t'a fait ça? Je sais pas, apparemment je faisais trop la meuf, du coup bah il m'a tiré dans la jambe. Vas-y, je vais régler ça, tu vas lui faire la même. Vas-y. Du coup je disais, ouais, moi ça dépend de l'humeur, hein. Des fois je me réveille, je suis énervé, pour un bonjour je suis démarre en quart de tour, des fois je suis joyeux, je rigole pour rien, ça dépend. Ça dépend de combien de grammes j'ai dans le sang. Ok. Je sens qu'on peut être similaire sur ce point. Ça peut être un bon terrain d'entente là-dessus déjà. Ah ouais, tu penses ? C'est important d'avoir un bon caractère qui colle, tu vois. Après, sinon, les opposés s'attirent des fois. Hein. Les opposés, je pense que c'est bien quand c'est au niveau des... Dans des passions, tu vois, on peut avoir des passions différentes, se faire découvrir des choses, tu vois. T'as quoi comme passion, toi? Le chant. Trouvez-moi des passions, j'ai pas, les gars. J'aimerais à part l'oseille, sa grand-mère. Le chant, photographier. Ah ouais. Moi aussi, j'ai des passions. Vas-y, j'aime bien
la mode. Vas-y, les gars, arrête. J'aime bien le golf. J'aime bien aussi les tableaux. C'est pour ça que j'ai beaucoup de tableaux. Tu vois. Tu es un peu dans l'art, c'est ça? Je suis dans l'art, ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Ok. Moi, tu vois, par contre, je m'intéresse pas forcément aux arts. Je pourrais me faire découvrir des trucs. Ok, bah, c'est parti. Là, c'est quand Guapo, il a brisé la... voilà, il avait fait... Enfin, il s'amusait, quoi, dans son studio, c'est ça? C'est carrément amusé, oui. Ça, je sais pas si tu regardes bien, c'est des têtes de mort. Tu remarques, non? Mais non. On dirait quoi? Des traces de pneus. Non, rien à voir. Ça, c'est des têtes de mort hydrauliques. En gros, c'est un effet d'optique qui est fait par fabricant d'olives. C'est son nom d'artiste. C'est un peintre. Fabricant d'olives. Ouais, c'est son nom. C'est ça. Après, son prénom, c'est Kilio. 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 Okay. Kilio Samuro. Ça, c'est encore Guapo, ça, c'est une photo de lui. Bon, il n'y a rien, c'est juste une photo. Là-bas aussi, c'est une photo. Après, Après, ouais, le reste, il y a d'autres tableaux, je te montrerai un autre jour. Tu m'en as déjà montré, hein. Souviens-toi quand t'as fait visiter hier le soir. Ouais, il y a le... Comment ça s'appelle? Le tableau avec Lucia. Ouais, ça, c'était... Et... Ça, c'est une forme d'art, ça. C'est une forme d'art, ça. Mais bien sûr. Malé. J'ai dit des pseudos du chat, hein. Ouais. Ça va, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai aussi les jeux d'hasard, les chevaux. Les chevaux? Ouais, vu que je gère le casino, du coup, bah, j'ai. Ah, bah, ouais. J'aime bien, enfin les chevaux, quoi. Les... Mais dis-moi, tu les gères, mais tu as mis des patrons à la tête des PDG. C'est ma sœur, justement. Je crois que j'avais été contacté par des gens pour le casino pour faire des partenariats avec eux. Dans c'est tout. Ouais, c'est moi, je leur ai donné. Enfin, moi, je leur donne les idées et ils gèrent après tout le reste. Hein. Je m'occupe pas de tout ce qui est papier. C'est pour ça que j'ai besoin d'un bras droit qui s'occupe de tout. Enfin, qui s'occupe pas de tout, mais qui m'allège. Tu comprends? Allez. Et moi, je... Qui d'autre, j'ai envie de dire? Qui d'autre? Du coup, je suis en qui d'autre que qui d'autre que... T'as pas finir tes phrases, toi. Bah, en fait, je te laisse finir. Qui d'autre que, à ton avis? Tu veux que je dise moi? Luna Diaz? Bah, toi, ça? Est-ce que tu te sens capable de faire ça? Please, merci. Alors, quand tu parles de papier, je veux juste savoir ça. Hein. Tu voudrais que je fasse quoi? Vas-y, Nono, je te parle, frère. Arrête, frère. Sois plus clair. Mais moi, je serais prête à t'aider dans tous les déjà, cas. Déjà, mes yeux et mes oreilles, un peu. Parce que bon, s'il se passe quelque chose, je veux que ça soit totalement secret. Secret total. Mm-hmm. Mm-hmm. Après, un jour ou l'autre, les gens le sauront. Et quand ils le sauront, il faudra que tu sois en sécurité, parce que j'ai des problèmes, quoi. Mmh. Ensuite, faut que... C'est par exemple, dis-moi, je veux reprendre une entreprise ou quelque chose, je te place à la tête. Non, j'ai juste supprimé son message. J'entends des personnes. Ouais. En fait, ils sont dans les couloirs, on va leur voir. Ouais. Crie, va voir. Moi, si j'ai une femme, il faut que ça aille du caractère. Sors et crie leur dessus. Madame, mais il se passe de quoi ici? Bonne question, je viens d'arriver. Rentrez si vous voulez visiter rapidement. C'est vrai, visiter. Alors là, il y a une discussion très importante dedans. Du coup, ça ne sera pas possible. Venez les filles. Laissez le petit tourteau là. Venez. Faites quoi là? Ok. Non, wesh, incroyable, les gars! Les gars, elle a recalé deux de meufs! Putain, enfin! Enfin, Rentrez, les Power Girls! Je vais te baiser. La vie de ma mère, ça serait. Non, vas-y, rentrez, les filles. Non, mais il y avait rien, on parlait pas. Moi, j'ai pas trop de caractère pour dire dégager. Hein. Wesh, je dis, j'ai jamais vu qui ça! Si, c'est bon. Non. Pas mal, ça va. Dans le respect. À la gentillesse. T'étais élégante.
les gars. C'est très drôle. Ah, bah, très gentil, très gentil. Très drôle, bah c'est enfin, on utilise les enfin, je, les bons mots, mm-hmm. quoi. Je décris ce que j'ai vu. Oh, ouais, mm-hmm. Mais en tout cas, ça me, je me sens soulagé, allégé, comme une plume qui vole dans un air. Je sais pas ce que je raconte. Petite plume. Tu vois ce que je veux dire? T'as une petite plume. Les gars, donnez-moi des phrases graves, ridicules. Ouais, une petite plume. Ou un petit poulet qui court dans un champ. Un truc grave stylé. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais plus d'une expression d'un lion sauvage qui vient de sortir ses crocs. Sans croquer. Ou un chat qui danse. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, madre mia. Toi, tu trouves les animaux les plus mignons. Ouais, moi, ça, je te donne un animal félin, quand même, féroce. Quoi, vas-y, donne un animal. Bah, je t'ai dit le lion. Moi, je suis obligé, les gars. Un lion sauvage. Il y a moi, je nique tout, moi, s'il te plaît. Qui court plein allure, qui vient de sortir ses crocs, qui a tous mes cartes sous table. Je vois. Ou une chienne qui... qui court dans le jardin. Ouais, ça va. Ouais, vraiment. Non, parce que j'ai... Tu vois, c'est ça, j'aime bien. T'as un humour quand même assez particulier. Ça occupe. Ah bon? Si, tu t'en rends pas compte, c'est marrant. Tu me dis ça parce que... pour ce que j'ai autour du cou dans la main ou vraiment c'est sincère? Vas-y, mets-toi à poil et maintenant je vais te redire la même chose, ok? Ok. Wesh, les gars... Pour moi, c'est ça à poil. Hein. Ok. C'est bon. Alors, je t'apprécie particulièrement pour ton humour. Et tu es très, très, très divertissant quand même. Voilà. C'est bon. Merci. J'apprécie, ça me touche. Ouais. Mais j'ai une question, Luna. Dis-moi. Tu t'es pas remis avec l'autre, là? Tu veux que je te dise un truc, attends. Ouais. T'es qu'elle était pas en couple, elle m'a dit. Alors, tu sonnerais où? J'ai pas eu mon mot à dire, c'était pas mon équation de te voir avec un enfant. Je fais avec, mais j'ai pas beaucoup de temps à t'accorder. J'ai rigolé pour un seul message. Bref, attends, elle a dit quoi? Je pense que nous resterons amis. C'est très bien. Mais c'est lui qui m'a envoyé ça. J'ai même pas répondu. Mais pour moi, coup, c'est il OK. Il te donne quand même une pension, non? Non, rien. J'ai l'argent, c'est bon, non? Ah ouais. Vivre l'année à une école. Mais... enfin... Mais du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Mais Mbop, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On fait quoi? C'est-à-dire... Tu veux être beau papa? Quoi, ton gosse? Allez-y, elle a tout niqué, frère. Quoi, je m'occupe de ton enfant? Si un jour... voyons, mettons-nous à l'évidence. Un jour, si on commence à se fréquenter, tu te sentirais prêt à accueillir mon enfant avec moi? Parce que c'est ma partie aussi. Le petit noir, là? Il est métis. Oui, mais bon, déjà, toi, t'es métisse, l'autre, il est noir. J'ai pas vu le bébé, mais ça se voit, hein, il doit bien... Voilà, quoi. Il est foncé, oui. Ouais, bah ouais, avec plaisir. Allez, je lâche les bras. Bien sûr. Mais je ferai rien, moi, je paye une nounou, C'est tout. Tu paniques, ça se voit. Je un poquito, un poquito. Bah parce que j'ai quel âge ou pas? En fait, je t'avais menti. Voilà. Alors, au moment des vérités, je te dis mon âge, hein, regarde. Vraiment? Hey. Ah, belle. T'as bien vu, je suis mature, j'ai la tête sur les épaules. Mm. Je regarde loin, l'avenir, je suis quelqu'un de lointain, je suis quelqu'un de réfléchi, de mature. Hein? Je suis à l'écoute. Belle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une mentale, t'as l'impression que j'en ai 50. Okay. Toi, t'as quel âge? 28. 28, hein?
28, si tu préfères. Ah. Eh les gars, si elle n'est pas envoyée par c'est... Diamond. Du coup, ça t'a fait 21 ou 22 22, ok. Et ma petite sœur, elle a 21. Merde. Vous êtes né à un an d'intervalle. Ouais, c'est ça, exactement. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que t'es très très intelligente. J'ai l'impression que c'est une machine. T'es une intelligence artificielle. Oh non, c'est bon, là. Arrête, tu te fous de moi, là. Non, pour 6 x 5. Ça fait 30. Arrête un peu de me perdre. Non, là, tu me prends pour une canne. Hein. Tu sais pas. Mais j'ai dit 30. 30. Bah oui. Ouais. Bah c'est ça, oh. Non. Bah non, c'est pas ça. Arrête. Non, je sais pas, j'ai pas compté, moi. Attends. Non, c'est ça. Ouais. Mais ça veut dire que... Enfin, faut que je te présente... Enfin, là, on est ensemble, là. Alors, pour moi, on sera ensemble quand tu... nous agirons vraiment comme un couple, là. Pour le moment, c'est que de la discussion. Hein. Comment ça? C'est quoi les... Tu veux faire quoi? Je sais pas, soit romantique un peu. Mais... L'Arden. Ah, vas-y, est-ce frère. Que tu sais ce que c'est le romantisme? Ouais, en gros, tu veux jouer en bas de chez toi, j'ai... Hein? Tu prends la rose dans la bouche et tu fais arriba. Non, ça c'est un cliché des films espagnols. Je connais. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Chap, c'est quoi son film? C'est quoi son film? Je te prouve, attends, tu veux. Si, je connais, c'est. Ça me dit quelque chose, je l'ai au bout de la langue. Zorro, non, je. Non, c'est pas ça. Le Capote de Montréal. Je crois que Zorro, il y a des scènes comme ça. Ouais. On va dire Zorro. Zorro, mode, ça veut dire quoi? Tu veux qu'on baise? C'est ça, on baise, c'est ça? Ok. Non, je parlais pas de baisse directement, de romantisme. Je sais pas, on s'envoie pas en l'air, mais on s'emmène en date, je sais pas. Ah, je voulais dire m'envoyer des messages, et déjà... Et je sais pas, une activité en commun, un truc qu'on pourrait faire ensemble. Ouais, du baiser, ça c'est pas mal ça. C'est pour bah t'aimes trop baiser. Hein. Bah non, j'ai juste... Ah, un bowling, tu veux quoi, un golf, un cinéma. Un billard. Allez, si tu veux, on fait ce que tu veux. Bah pour demain, on s'organise ça, un bowling. Mm-hmm. Ou un billard. Enfin... Allez. Okay. Bah écoute, Luna, ça m'a fait plaisir en tout cas de m'être dévoilé. J'ai l'impression que je me suis déviergé. T'es tout nu là? Non, je suis pas tout nu, mais j'ai l'impression de m'être déviergé mon cœur. Tu gardais ça au fond de toi depuis combien de temps? Je sais pas, ça fait 2 heures. C'est pas grave. Non, pour de vrai, ça fait longtemps, mais c'est pas ça. En fait, au début, non, la vérité, c'est ce soir-là, j'ai pris cette décision, vraiment. Sinon, hier et avant, je voulais te proposer du boulot. Parce que la photo avec la fausse AK, ça m'a fait, je sais pas, tilter. J'ai dit, y a moyen. Mm-hmm. T'es prête à tout ou pas? Bien sûr, je te jure que okay. Ça c'est un truc. Tu ignores de moi, je pense. C'est. Tu. Comment dire? Tu. T'es prête à tout. Ayana, elle est en bas là. Elle me prend en photo. Si, je suis prête à tout. Ok. C'est quoi ça? Ça fait plaisir alors. Un check. Ok, allez, un check. Quoi, tu veux que je te galoche? Ah non, tranquille. Tu me dis, mais en fait, moi, j'ai... Eh, ton gros cul, là, eh. Vas-y, reviens, mets-toi dans le lit, là, j'ai... Eh, viens, on baise, là. Casse les couilles, là, m'en bats les couilles de ton fils, hein. Eh. Imagine, ça montre. Vas-y, viens, vas-y, à genoux. C'est Ayana, c'est ma super copine. Ah ok, ouais, bah elle est gentille Ayana, je l'aime bien. C'est... Je la déteste. Et je serai prête à tout, promets-je, je te jure.
Bah écoute, en fait, faut que je gagne. Par contre, il y a un truc là, je suis sérieux là. Enfin, j'étais sérieux depuis le début. Hein. Pardon. Oui. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Me trahis pas, Luna. Sinon, je te raye de ma liste, de ma vie. Ok ? Mais quand j'aurai ta confiance, tu l'auras à 200%. Là, pour l'instant, tu l'as pas là encore. Tu vois. Mais ça, c'est avec les actes que je l'aurai. Prouve. Hein ? Regarde-moi dans les yeux, là, je vais te dire un truc. Prouve. Prouve quoi ? Prouve quoi ? Tu prouves. Et la confiance règne. Mais t'as pas compris. Tu parles quand... Moi, enfin... Non, c'est une dicton. Tu prouves la confiance règne. Ah, moi j'ai cru que tu m'as dit prouve. Ouais, j'ai dit, ok. Non, j'ai compris. toi, par contre, c'est très loin la détente. Hein. Hey, t'as bu, Luna ? Non, pourquoi ? Soit je suis bien beau, soit je suis... Enfin, je sais pas, tu rigoles beaucoup. Mais j'aime bien. J'espère que tu C'est parce que on est qu'à deux et d'habitude, on n'a pas ce privilège. Ouais, c'est vrai que là, on a une petite ambiance comité réduite. Hein. Oh, mais t'en mets dans le doigt, toi. Tu te fous de moi, là. Là, c'est vrai que ça peut être... J'ai fait quoi bien, hein. Mais la jambe de guapo, avec une chica qui se fait baiser, là... l'ambiance, elle est pas terrible. Hein. Bah, tu veux quoi, une chambre un peu plus classe? Je sais pas, moi, non. Tranquille. Je suis pas difficile, en fait. C'était pour te taquiner. Il y a la cave en bas. Hein. Aïe, non, pas de cave. Ça me fait peur, ça. Ah ouais? Le mot cave, c'est pas très joyeux. Hein. Non, mais il y a des lits et tout. Hein. Non, mais je rigole. Allez. D'ailleurs, oublie ce que je t'ai dit. Attends, quoi? Il y a des lits dans ta cave? Non, il n'y a pas de cave. C'est pas ici. La cave en bas, mais je parle en bas de Vinewood. Oh, je suis trop con. Oh, madre mia, tu voudrais m'amener là-bas, c'est très moche, hein. Ouais, mais non, là on est bien. Là, t'as une petite vue sur une autre villa. T'es. Ouais, voilà, c'est... quoi. Je regarde pas à droite et c'est bon. Ici, j'aime beaucoup par contre. Tu vois? L'Ardenne Bishop. Je suis obligé, hein, Yaguapo. Viens devant moi, Luna. Mets-toi face à moi. Ok. Je suis obligé, frère. Ça y est, j'en ai marre. Je m'isole à chaque fois, il se passe rien. Okay. Attends. Occupe-lui. Attends, vite fait. Attends, je sens mon haleine. Ok, ouais, ça, c'est bon, tout est bon, vite fait. Merci, Luna, merci. Elle a crié, wesh! Ouais. Pourquoi t'as crié? Pourquoi t'as crié? Non, ça va, tranquille. Bonjour, demoiselle, comment allez-vous? Hola! On vient d'assister à un événement remarquable. Trop bien accompagnée à ce que je vois. Pourquoi elle a crié, wesh, les gars, wesh! Elle m'a recalé, les gars, je vais l'acheter par le balcon, hein, je crois. Elle tricola. Saute, je te rattrape, saute! Non. J'ai fait ça hier sans faire exprès, j'ai failli tomber plus que... Là, tu sais que moi, chez moi, embrasser, c'est un truc de fou, là. Vraiment ? T'as dit quoi ? Vraiment ? Bah, bien sûr. Mais là, je suis en pagaille, là. J'ai la fièvre, j'ai le... C'est quoi, le goro ? Toi, carrément la fièvre, et puis la transpiration, et toi, ton cœur qui palpite, tu vas faire un arrêt cardiaque ? Ouais, c'est... Pour moi, là, on est ensemble, là, Non. Maman. Quoi, oui? Tu mens, arrête de mentir, là. Non, je m'aime pas. Ah, tu mens. Mais c'est moi, Quoi? Oui. Là, c'est mes boobies que tombent. Ils étaient bien, les bisous à Bobby. Non, mais moi, c'était dans le menton, hein. Ah, Yana, là, elle doit être choquée. C'est-à-dire là, Luna, on est en couple. Ok, maintenant, il y a une règle. Arrête de crier. Je crie pas. Il y a une règle. Personne ne doit être au courant. Ok. Yana, là, elle est au courant. Attends, viens. Je croyais que... Enfin, je voulais rappeler.
Écoute, on se fixe une règle, Luna, pour que tout se passe bien, ok? Ce qu'on entend à droite, à gauche, tant qu'il n'y a pas de preuve, hein, tant qu'on n'a pas vu de nos yeux, il n'y a pas de preuve, on s'en fout, ok? Ben, mais... Moi, je suis pas quelqu'un de jaloux. Toi, t'es quelqu'un de jaloux? Non, tranquille. Ah, voilà, tranquille, voilà. Et puis, puis voilà, quoi. Tant que tu restes un hombre réfléchi et qui fait pas de sottises du style « Est-ce que mon ex peut devenir le nounou de ton chico ?» Non, ça va, tranquille. J'ai pas compris. En gros, si tu fais pas les mêmes raisonnements que mon ex, ça va être bon. Ah, mais... Hey, arrête de me parler de ton ex. Non, c'est juste, je te dis, tout ce que je n'aime pas, c'est ce qu'il est. Tu vois? Donc, c'est bon, non? Ouais, t'as vu ce... Tu m'as pas l'air d'être le même. Tu vois ce truc-là? Mm-hmm. Je connais. Combien? Mm-hmm. Mets-toi à côté pour voir. Ok. Ah ouais, ça va être dur, hein. Arrête un peu! De quoi? Tu parles de quoi, là? Mais en gros, c'est parce que il est pas à ta taille. J'ai une passion, moi j'aime bien regarder les étoiles. C'est pour ça. Ah, bah oui, ok. Ouais, le Kenneth. Tu peux m'accroupir en fait. Kipi, tu fais une soirée, même pas, t'invites. Bah, viens. Adresse, on vient à 3 chez en moi, même temps, chez moi. Viens en hélico, viens, ouais, direct, vas-y, viens. Ah, ok, vas-y. Ça marche, j'arrive. Vas-y. Allô ouais. Viens à la baraque, viens. Vas-y, j'arrive. Luna, on se rejoint ce soir ici? Dans la chambre de Guapo? En fait, c'est chez moi. Si je veux, je prends la chambre. Tu veux laquelle? La tienne. Bah, elle est là, mais en fait, il y a un... Bah, viens. Wesh, les gars, j'ai deux meufs. Mais non! Enfin! Fais Guapo, t'es un bon, merci. Ma mère, je suis un bon. À part dire ça, il sait dire que ça, toi. Plutôt quoi, j'ai le pays. C'est ici, ma chambre. Hey. Bon, il y a eu quelqu'un qui s'est battu. Ouais, c'est ça, c'est... C'est moi, je saigne du nez, là. C'est juste qu'il y a cette affiche, en fait. C'est tout, mais elle te dérange ou elle te dérange pas? Je t'avoue que ça peut être dérangeant, mais... Tu la regardes pas, au pire, tranquille. Voilà, c'est ça. C'est un souvenir, c'est ma... Tu vois? C'est ma première fois. Ta première fois. C'est... Ouais, c'est ça. Mm. J'ai embelli, non? Ah, si. C'est quand tu baises? Ça, la question, c'était tout à l'heure. Voilà. C'est bien. Du coup, Luna, si. On se rejoint ici, puis voilà, quoi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Et demain, soit un bowling, une sortie, là, ce que tu veux. Un karting, là. Ce que tu veux. Ouais, vas-y. Par contre, écoute, viens. Mm. Juste, ne le dis pas à Scarlett. Je t'explique pourquoi. C'est parce que Cooper... Enfin bref, c'est une histoire compliquée. Cooper veut que je sois son fils et il veut me caser avec Scarlett. Et Scarlett, elle bosse pour lui. Bref, ne lui dis rien, ok? Histoire famille. Voilà. C'est bon? Ça te va? Oui, je te dirai. Vas-y, merci. Vas-y, Scarlett, vas-y. Vas-y, Luna. Quoi? Non, j'ai dit, vas-y, c'est carré. Ouais, bah allez. Hein? T'as cru que j'ai dit Scarlett? Mais non, mais abuse pas. T'as fait Scarlett. Scarlett. Vas-y, c'est carré. Carré, ouais. Le MVP de la soirée, les gars. Vas-y, Luna. Vas-y, Luna. C'est rond, en ce moment. Luna, j'arrive pour une photo, Luna. Eh, les gars, comment vous dire, j'ai deux meufs, les gars. Je ne réponds plus. Ah, normal, non. Vas-y, bonne soirée, vas-y. Vous voyez comment je parle à ma meuf, les gars? Eh, je suis venu. Non, t'es bon. Les gars, je suis rentré. Pourquoi je de quoi je me suis Ta recade. Dis maman, ta recade. Parce que elle lui a dit quoi? J'entendais ton cousin. Elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, ça va trop vite, nanana, faut que tu me fasses un date. Il va lui faire. Je sais, encore une fois. Demandez à Guapo, je les galoche combien de fois? Dans le balcon. C'est dans le balcon. Bah, c'est maintenant, nous on va voir. C'est secret, relation secrète. Sur mon père qui est mort, je suis en couple avec elle. Et je suis en couple avec une deuxième. Après, elle va me tromper, c'est sûr, on est niqué pour... Cousin, moi, je vais pas me compliquer la vie, hein. Moi, je suis prêt mentalement, je sais qu'ici, il faut pas être jaloux. Donc, c'est qui la deuxième? Qui? Bah, la deuxième je te dis pas, je vous dis pas, les gars. Et dis-moi, gros, après, on va la gérer pour rien. Qui, c'est qui? Mais gère-la, m'en bats les couilles. Eh, attends, t'as vu ce soir?
Evan, 3 heures avec Fabiola. La vie de ma mère, j'ai... Ouais, ça... et Guepo, il a toujours pas fini. Hein. Il est avec... Ayana Ayana. Et tu sais, Ayana lui a dit quoi, Ayana lui a dit quoi, elle, il lui a parlé. Ayana, elle a dit, ouais, appelle Mélo, aujourd'hui, je sais pas, qu'on est trop beau. Et Guepo, il a pas de ses boulots. Ils ont taillé ou pas? Non, ils sont devant, venez, tout le monde est devant. Viens, les malades. Et Damon, Damon de... Hein. La vie de ma mère, Chicago, elle l'aime trop, c'est trop la beau. La mine, ouais, j'ai vu. J'ai pas envie d'en parler. Ça va, débile? Oui. Tranquille. Oui, tranquille. Il se passe, il fait des dingueries, hein. Oui, ça va. Eh, viens, Laura, viens. Ok. Propre. Impeccable. Todd, ici, il y a une seule règle. Faut baiser. Oui, on y va. Ça tombe bien parce qu'on a Daryl qui est malheureux, il veut trouver une nana, il veut baiser, il s'est fait quitter dans la mare. Il y a de quoi se mettre bien. Bébé. Oh putain, vous arrivez trop tard. Hein. Ah bah oui. Ouais, désolé. Hein. la prochaine, je vous invite direct. Ah oui. Ok. Ah ouais, t'as invité Dan, j'ai appris, tu nous invites pas. Dan des Noirs, il t'invite pas tes copains blancs. C'est qui Dan? Ben, Noir. J'ai oublié, les gars, j'ai oublié. Bah, ça rien, il reste une d'arrivée. C'était pas prévu en fait. Ouais, vraiment, il s'était pas prévu. Tu veux que je te montre la baraque avec celle qui reste là? Il y en a une qui arrive dans. Les gars, c'est la meuf en rouge, elle fait que de me suivre, elle a que tous mes trucs. Encore une autre, regarde, il y en a encore une, deux, trois. Putain, il y en a pas. T'arrêtes, arrivé après la fête, il y avait au moins 15 meufs, la vie de ma mère. Ouais, mais nous, on nous invite pas. Mais gros, en fait, la vie de ma mère, c'est vrai, j'ai grave laine. Parce que c'est bon, vous aurez dû venir. Et en fait, ça s'est passé sur un coup de tête, c'était pas possible. Il est où, Evan, Mélo? Il est là. Il est dans le secteur, normalement, je crois. Attends, oui, viens, donc nous, moi, ce qui me tue, c'est que nous, on a tous géré des meufs, on était tous partis dans les chambres. Salty, il a tiré sur une. Ouais, mais lui, je sais pas pourquoi, ce football. Ils sont brouillés, mais pour de vrai, hein, ils sont brouillés vraiment avec. Attends, la blonde là-bas, Qu'est-ce que t'en penses? C'est qui là-bas? C'est qui là-bas? Vas-y, Darryl, allez bien, Darryl. Ici? Vas-y, Nick Zabby, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, Icy, c'est un surnom que je donne à, en gros, une meuf fraîche. Ça va, ma copine? Ouais. Je suis bourré, hein, prends pas, vas-y. On est en couple, là, Luna, encore? Attends, deux secondes. On est encore en couple, là? Tu regrettes? Bah non, pas du tout. Quand je vois ça, je me dis, en fait, tu vas m'épuiser, tu vas Enfin, bref, vas-y, Luna. Voilà, j'ai pas fait exprès. Oh, ah, mais je rigole. Ok. Ça dit que ma gueule, on dirait qu'il se passe certaines choses. Comment ça? Non, je suis invité à Laurent, hein, Laura. Bah oui. Ah, moi j'ai dit que je suis un nouvel Laurent. J'enlève un père truc. Hop, je mets mon autre père. Oh, je sais que voilà, je suis un autre homme et... Hop là, bonne paire d'Air Force. Je suis plus comme ça. Tac. Casquette à l'envers, c'est ça. C'est pas comme ça, hein. Les Motors. D'ailleurs, les Motors, ils sont jamais ouverts. Hop, tac. Quoi, tu... Oh. Tac. Attends. Hop. Oh. Attends, bouge pas. T'inquiète, fais-moi confiance. Oh! Cousin, relâche en vite fait! Hein? À la famille! Hein? Big Creep, R3, toujours dans cette maison, c'est léger. Merci, mais tu gères alors, on suis en courant. Oh, cousin, c'est quoi ce délire là? Relâche en bas! C'est moi ce que je vais, attends. C'est quoi? T'as pas un bâton ou un truc? Non. Mais est-ce que tu peux me rendre un service? Quoi? On lui fait une blague. Tu rentres, chuchote, hein, tu rentres dans la pièce et tu lui dis, écoute, en fait, j'ai un délire, si je coupe les gens en morceaux, je sais pas, fais-lui peur. Il me prend un katana? Un petit prank. Juste, tu fais un petit prank pour rigoler, fin de soirée, c'est bon. Vas-y. Il me prend un katana? Un katana? Bah oui.
comment on fait? C'est quoi le truc du katana, les gars? Ouais, ouais, la famille, ouais, il se passe quoi là, carrément là? Si, attends, si. attends. Non. Give item. Dis-moi que ça a fait ça. Je sais même pas c'est quoi la commande, frère. Ah oui, pardon. C'est bon, ouais. Là, non? Ouais, là, c'est mieux, ouais. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ici, là? Je te retire ton haut et je te retire ton bas, Ghost Dog. Hop. Et hop, là. C'est quoi, c'est... Je comprends pas, là. C'est quoi, c'est le délire? Ouais, j'ai changé, hein, tu sais. De quoi? Non, mais j'ai changé. J'espère, elle a compris. Je fais plus ça. Je suis devenu un homme. Non, mais je te parle pas par rapport à ça. En fait, j'aime bien découper les gens au katana. T'aimes quoi? Vas-y, rigole. J'aime bien découper les gens au katana. Ouais, la famille. La famille. R3, la famille Abourbier. Genre, si, genre, couper les jambes qui meurent, ça, tu vois. R3, la famille Abourbier. Abourbier, la famille. Mais tu vois ou pas? Ouais, écoute. Ouais. Bien. Mais du coup, je voulais que tu sois mon cobaye. Non, écoute, voilà. Mais si. Moi, nous, on est des mecs ouverts d'esprit à la base. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On peut le faire. Ça veut dire, écoute. Ah, oh là, t'as capté? Nous, à la base, on est des mecs très ouverts. Mais maintenant, on a changé. On n'est plus trop, hein, tu vois. On est plus dans le respect, tu vois. On est devenu dans le respect. Bah, en fait, voilà. Moi, je vais te découper parce que c'est pour me venger de ce que tu m'as fait au Les Motors. Tout le monde. Oui, mais ça demande juste des excuses. Je m'excuse même publiquement. J'ai aucune honte, moi. Je peux m'excuser. Non, mais je vais te couper. Cherche pas. Non, mais attends, Mida, ok. Bon. Comment on fait? Comment on fait pour s'arranger? Tu vois, il faut qu'on s'arrange. On peut pas s'arranger. Genre, c'est sans issue. C'est sans issue, là. Mais. Oh! Oh, R3, ouais, la famille, y'a beau bien la famille. Moi, je rigole, je rappelle que c'était une blague, il fallait qu'on fasse une blague. Ah, putain, tu m'as fait flipper, là. Il m'a donné ça. Non, la vie de ma mère. Putain, non, mais à part ça, putain, ton parfum, je t'ai dit depuis tout à l'heure. Non, il a déco. C'est bon. Non. Ça y est, j'ai rendu. Je tourne la porte. Merci. Moi, je garde pas ça sur moi. Cousin, t'es sérieux? Toi, c'est comme ça, toi, maintenant, 2023, c'est ça? J'ai capté. Putain, cousin. Vas-y, je t'entends. Je mets un mal et je parle hop. Vas-y, cousin. Enlève, cousin, la famille. Oh, R3, y'a un bourbier. R3. Et un bourbier? Tu fais quoi là? R3 et un bourbier? Bourbier? Laura, tu peux détache-moi, non? Non, je peux pas. Bon. C'est R3, détache un bail? Détache un bail. Elle n'arrive pas à courir.
j'ai mal au torse, frère. Eh, hey, Marc, s'il te plaît, côtoie, frère. C'est la première chose que tu valides. Eh, hey, y'a quelqu'un qui arrive, y'a quelqu'un qui arrive. Qui ça? T'inquiète. Ah, cousin. Ouais, mais libère, t'as capté comme ça. T'as capté, on rigole. T'as capté. Pourquoi? T'as capté. Non, mais là, en fait, parce qu'elle a gâché le truc. Elle a dit c'est une blague. Mais moi, c'est pas une blague. Laure, tu peux y aller, hein. Mais moi, je vais vraiment, y'a quelqu'un qui arrive là. Rentre, je te tiens. Viens là. Mais, cousin. Viens, rentre. Putain. Rentre. Ça, la famille. J'ai ramené les renforts. C'est quoi les renforts? T'inquiète pas, va. T'es qui? T'inquiète, cousin. Mais là, t'es attaché, hein, tu peux rien faire. Hein. Ouais, mais c'est une meuf. Ouais, t'inquiète. C'est une meuf, c'est bon en vrai, je te mens pas. Ouais. Non, mais c'est à base de coupage, hein, comme elle. Mais du vrai coupage, vas-y, genre sadique, un peu de fouet, tout ça là. Ouais, sadique en mode. Ouais, mais moi j'aime pas ça, moi j'aime bien faire, mais pas... Ah ben, cousin, faut aimer. Faut aimer, mon frère. Ah. Il arrive, là, il arrive. Il ? Non, c'est le dev. Non. C'est le dev. Non, il dort, t'as de la chance. Il dort baiser. Eh, mais tu sais que, en vrai, moi, si tu fais une dinguerie, demain, je me venge de fils de pute, hein. Ah! Cousin! Y'a quoi? Cousin. T'aimes pas? T'es raciste? Y'a quoi? Mais, hein, mais t'es fou quoi? Non, j'ai rien contre. Je valide à 100%, t'es fou. Attends, je me mets devant la caméra. On valide à mort. On valide le mouvement. Eh, mets-toi sur le lit. Eh, là, je te pousse. Mets-toi sur le lit, je te pousse. Je te pousse. Je te retire le t-shirt, je te retire le pull. Hop. Hop là, ok. Impeccable. Putain. Tu vas faire un boulot, toi. Eh, je vais te baiser, gros. Eh, c'est fou, quoi. Je vais te faire un boulot, toi. Toi, tu me fais le baiser du coup. En plus, ta tête, elle est juste là. Sur ma bite. C'est fou, quoi. T'as pété les bras, cousin. Attends, je suis pas cousin. Putain, cousin. Attends, il me fait le mec du sexe RP, ça le gêne pas. Ok, vas-y. Tiens. T'aimes bien ou quoi? Ramène ta tête sur la tête de homme que je vais me brancher ça. Non. Le dev. Non, fais non. Ce qu'il y a à faire, sa grand-mère. Je vais te commencer. Hein. Je vais te commencer là. La famille. J'ai mis ma bite dans sa bouche là. Le dev. La famille. Boulot. Le dev. J'ai toujours rêvé de ce moment. Je te jure, moi, tu me touches sur la tête de ma mère que toi je vais te canner comme ça, tu sais. Demain, je te fume. Comme ça, tu sais. Je vais appeler mon gars là. Touche-moi une seule fois, tu vas voir. Prends ta gueule. Ah ouais? T'as un peu d'huile ou pas? Espèce de chien, va. Ramenez des meufs. Cousin, t'as raté les meufs. T'as vu pourquoi je fais ça? Parce que t'as pas honoré une invitation. Et chez NWR, les invitations avec des fous masques, comme tu dis. On doit venir et être présent. Donc tu dois subir la sentence. Ouais. Tu dois subir la sentence. Je te touche le trou de balle. Sur la tête d'homme, si je te tranche pas la jugore, tu vas voir. Oui, mais moi pour l'instant, je te touche le trou de balle. Ça chatouille, putain. Touche-moi le torse. Là, je peux pas. Touche-moi le torse. Ah oui, c'est vrai. Bah, lèche-moi le torse. Laisse-moi le torse. Nous, on est des bonhommes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te mords le téton. Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça? T'es fou, NWR, c'est plus qu'un état d'esprit. C'est le mental, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, NWR, c'est... Oui, d'accord. Tu parles trop. Là, je glisse, là, j'ai ma main. Je te touche le zizi. Cousin. Moi, j'aime les meufs de fou. Ouais, même moi, j'aime les meufs, mais j'aime trop les mecs comme toi. Les vrais gangsters. Comment tu le décris? T'es un gangster, t'es un voyou. Et t'es une grosse bite. Non, toi, t'es fou, toi. Tiens, bois, mange. Ça va, bah. Tiens, bois. Encore j'ai mal au ventre, sa grand-mère.
Ah, et c'est trop mignon, c'est dinguerie, comment c'est trop mignon. Prends-moi en photo s'il te plaît, prends-moi en photo, prends-moi en photo. Prends-moi en photo s'il te plaît. Prends-moi en photo. Avec mon jouet, avec mon objet sexuel. La petite dôme, je vous ferai une dîme. La petite dôme, je vous ferai une dîme. La petite dôme, putain, je vous ferai une dîme. La petite dôme, putain. Ghost Dog. Mais non. Une dernière chose. Dinguerie, il faut m'acquitter, les gars, attendez. Yes. Bon, les couilles. Allô. Allô. Mais non. Hey, j'ai dit ça pour pas que l'information a fuite. Parce qu'il y avait un autre mec que je connaissais pas. Ok. Bah oui. T'es où là? Tu fais quoi? Non mais... Là? Ouais. Bah je me balade. Tu te balades où? On est dans la villa d'à côté là avec Toko et tout, je sais pas, ils nous ont dit de venir là, on regarde. Vas-y. Tu m'excites. Ah bah moi dès que t'as fini. Vas-y. Oh, désolé, je sais pas faire, c'est un 8 et moi j'ai pas fait les scouts. Il est fou. Waouh. Ouais, on vient d'avoir une relation. Fait tourner la rumeur dans tous les quartiers. Ah, en fait, c'est beau ça. Ghost Dog a baisé avec le dé. Mais non, Ghost Dog. Grand renois comme ça. Les gars, non, propagez que le dev est en couple avec Ghost Dog. En couple. Là, en couple. Bah, merci, oui. Ça va, oh, je crois que j'ai une photo, je sais pas. Là. Attends, je vais passer sur les photos. Prenez mon photo avec moi. Prenez toutes les photos que vous voulez. Je vois un truc qui fait sur ma tête de ma mère. Je vous retrouve tout. Je vous bats, vous mettez des photos dans les bois. Il a vraiment des sentiments pour toi. Vas-y, je le baise. Lève-toi. Prenez vos photos, j'ai juré. Voilà. Prenez tous vos photos. Il y a un truc qui fait tout. Moi, je sais très bien comment je vais réagir. Oh, Toko, ah ouais. Toko, vas-y. Vas-y. Toko, vas-y, fais. Viens, fais. Ma mère. Si demain, toi, t'es pas mort, tu vas voir. La fille de ma mère, sur ma remet, la famille. Sois sûr de toi. Arrête, Toko, tu vas mourir, fils de pute. Arrête. La fille de ma mère. Arrête. Tu sais quoi, Déby, fais tourner la rumeur, j'ai baisé avec Ghost Dog. Fais tourner. les gars, je contrôle plus rien là-haut. Attends, attends. Mon doudou, j'ai baisé avec le Ghost Dog. Ok, bah attendez, j'appelle Mélo. Vas-y, y a aucune baise là. Mélo, tu sais quoi, je suis dans la villa de Ghost Dog. Ouais, fais tourner. Le dev, toi aussi, je vais t'attraper. Ghost Dog, lève-toi, cousin, lève-toi. Non, je me lève pas. Là, vous avez réel de fils de putain. Oh là. Eh, je vais pas mettre de péris, moi. Oh là, ça va être. Attendez, y'a Mélo qui arrive. Je vais pas mettre de péris, moi. Vous tous, là, vous tous. Vous allez voir. Vous voulez me faire, moi? On va voir. Je suis pote à qui, moi? On va voir. Rigoler, mais sur la tête, rigoler. T'es plus puceau, Geekos. Balle dans la tête, c'est ce qui va se passer. Balle dans la tête. Ça y est, et puis on va voir celui qui me respecte pas ici. Vous êtes des fous ou quoi? Je vais vous faire. On verra. Vous êtes des fous ou quoi? Ah, Déby, ça va? Oui, ça va et toi? Même moi, la vie de ma mère, j'arrive pas à respirer. T'as mal ou quoi? Toi, tu viens d'arriver, cousin. Moi, je suis là depuis le début. Cousin, lève-toi, tu fais quoi là? Lève-toi, Ghost Dog. Au niveau des internes, l'hôpital, fais tourner. Ouais, je vais faire tourner. Moi et Ghost Dog, c'est fait. Il y a un fit à te enregistrer. Ok. Est-ce que je peux mettre ça sur les réseaux? Oui, tu peux. Enlevez-moi. Enlevez-moi, t'es plus. Ah, MDR. Attends, bouge pas. Et le dev, cavale. Je suis en train de me faire. Moi, j'ai un bon idée.
Attends, il est où Hugo ? Je sais pas, moi, faut pas en dire après, il est vivant, hein. Je fume, fils de putain. Arrête Oh, la famille. Arrête C'est bon, stop. Y'a pas stop. Arrête. Il est mort, c'est bon. Attends, mais non. Mais pourquoi vous criez ? Faut pas crier, monsieur. À moi, la famille. Mais quoi, la famille ? Il faut se calmer, monsieur, c'est pas grave, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous assumez pas votre homosexualité ? Ghost Dog, tiens. C'est pas grave si vous avez trucs avec des hommes et que vous êtes un homme. Hein. Il y a eu juste. Bah quoi ? Ouais, mais il est vraiment énervé. Attends, tu vas à la villa, cousin ? Arrête d'appeler des gens ! Ouais, Ghost Dog ! Arrête d'appeler des gens, mon frère ! Le dev, là, chope-le-moi, le dev, juste le dev. Mais non. Le dev, et je lui colle sa balle, hein, la famille, je colle sa balle. Ta gueule. Juste le dev, demain ou après-demain, peu importe. Le dev, arrête, cousin. Le dev, arrête, le dev. Cavale, taille. Eh, Ghost Dog, viens, on négocie, viens. Il me prend pour ça, Ghost Dog. Mais cousin, mais raccroche. Il veut faire le mec qui me fait l'amour. Donc voilà, maintenant, il a voulu tenter. T'as fait l'amour. Capter. Non, on y va, c'est bon. Ah oui, il est énervé, là. Retour en arrière. Mais viens, on rentre, viens, on se pose, viens, on se pose. C'est la famille. Ah, moi, je suis là. Viens, regarde. Je viens. Ouais. Attends. Allô. Va. Taille. Je vais à la ville, là. Hugo, soit demain, après-demain, c'est fini. Mais, regarde. T'as vu ? Bah oui. Regarde, je t'explique. Il est amoureux de toi. T'es la virilité en personne. Je m'en bats les couilles. Mais écoute, t'es la virilité en personne. Moi, il vient, t'as tes menottes et tout ça. Je lui dis, vas-y, occupe-toi de lui. T'as, il peut pas se contrôler. C'est de ma faute à moi. Ça veut dire, toi. Moi. Fais-le moi. Mais non, t'es fou, quoi. Moi, je peux pas faire ça, cousin. Mais non, mais tu ramènes un mec. T'as pas un dev à toi ? Bah non. Moi, mais tu me fous pas ça, cousin. C'est un peu truc. Bah, c'est impossible, cousin. Moi, à la limite, je peux te mettre avec une meuf. Et dans ce cas-là, tu la baisses. Ah, vas-y. Voilà. Non, c'est vrai. J'aime bien. Regarde, tu dois faire comment ? Si tu veux, on fait 1-1. Mais dans ce cas-là, tu baisses une raclée. Tu la baises, hein. Arrête. Oh oui, plus fort, R3. Les vrais bails. Coup de rein, tout. La totale, sur la tête, maintenant tu la bouillasses sa grand-mère. Sinon, sur la tête de l'homme, tu sais, c'est que pour toi, c'est pas, on n'est pas quitte, gros. C'est pas possible, tu peux pas faire ça, cousin. J'arrive pas, c'est pas possible. Bah, moi aussi, j'arrivais pas, pourtant t'es mort. L'autre là, je vais le fumer. T'es attaché, il t'a touché le choix. Cousin, il a fait quoi ? Il t'a touché le torse et le trou de balle, y'a rien. Il m'a touché le trou de balle, il m'a fait boire sa baffe, il m'a fait. Boire. Quoi ? Oh, ok, je t'ai menotté, vas-y, pépère. Mais non, waouh, c'est fini, hein, Hugo. Qu'il fasse un autre projet, comme ça, tu sais déjà. Ah ouais, sixième projet, c'est moi, je m'effondre, tu vas voir, t'es fou. Putain. Berise, mon pote, t'es fou, quoi. Ah, pour Berise, hein. Berise. Hugo, je casse la démarche à la... t'es fou, y a pas moyen de négocier. Mais vous faites comme si ça n'avait pas existé. C'est pas négocier, regarde. Le seul truc, vraiment, pour que ce soit carré... Tu ramènes une raclée et puis tu vas cueillir. Parce que toi, les hommes, toi, tu t'en bats les couilles, toi. Toi, c'est pas, ça te dérange pas. Allô ? Passe-moi son numéro. Cousin, il m'a dit, si moi, je baisse pas une meuf, en mode, je la baise, eh ben, il tue. Du coup, frérot, désolé. Hein. J'ai pas compris. C'est vrai, non ? Attends, je te passe son numéro. Il veut ton numéro. Ah non, c'est mort. Au pire, tu sais quoi, vas-y. Bon alcool, frère. Tiens, appelle-le. T'as mangé ou pas ? Vas-y. Eh voilà, j'ai trop rigolé, frère. Tu veux tout, cousin ? Oui, c'est son meilleur perso, frère. En fait, c'est pour ça, sinon j'aurais dit, vas-y, tue-le. Et il voulait pas s'arrêter. Eh, il est fou. Tu peux m'asseoir ou pas ? Eh, Toko, toi, c'est pareil à la famille, hein. Toi, t'as plus la confiance avec moi. Même lui, il est gêné. La vie de ma mère, même lui, il est gêné. Fais-lui aussi. T'as voulu tenter, toi aussi, hein. 460-63.
Mais moi je rigolais, c'était des blagues. Ah, moi je gaulerai pas, la famille. Je gaulerai pas. Mais bon, c'est-à-dire là, je baise une meuf, mais comme toi tu fais. Je baise une meuf comme toi tu fais, c'est bon. Cousin, c'est trop dur, sa grand-mère. Ouais, ouais. C'est son meilleur. C'est la meilleure version de lui-même. Là, fais l'effort, cousin, fais l'effort. Ouais, tu fours ça 30 secondes, et puis vas-y. J'ai combien de jours? Tu fais ça maintenant? Non, pas maintenant. Mais dis-moi maintenant. Là, il y a ici, là. Il y a ici. Mais non. Vas-y, mon frère, vas-y. Non, guess, pas elle. Bah, non, je suis avec une vraie meuf. Là, viens, t'inquiète. Il y a débit. Je suis pas une vraie meuf, t'as pas envie. Voilà, mais débit. Ouais, mais débit. Mais débit, non, mais c'est ça, c'est bon. Voilà, baiser, on regarde. Allô. Oh, regarde, dis-lui, je viens, mais il fait rien, il tire pas. Vas-y. Lui, la tête de ma mère, j'ai mis plein les bastos dans mon arme, je vais tirer. Donc, sur la tête de Vas-y, viens. Il arrive le dev, par contre, fais rien. On négocie. Mais non, mais. Mon gars, moi, il y a mon gars qui est en route, c'est-à-dire lui, il attrape et bang. Arrête Gozo, je suis trop peur. Attends, appelle-le vite Toko, dis-lui viens pas. On s'ennuie Toko. Je sais pas en plus. C'est ça qu'il arrive hein. Appelle. Allô, viens pas. Okay. En fait c'est moi le truc, toi tu vas servir à rien. C'est moi qui peux régler ton problème. Bah règle mon problème, il veut me tuer ce sauvage là. il a dit règle ce problème, il veut me tuer ce sauvage. Putain, il est trop drôle sa grand-mère. Bon, vas-y, je vais la tuer. Vas-y, débit, vas-y, mets-toi sur le bureau. Vas-y. Oh, regarde, vas-y, hein, sa grand-mère. Vas-y, choque, hein. Vas-y, tu choques. Hein. Ok. J'ai juré, vous avez pas ma tête. Quoi? Vas-y. Je vais abuser sa grand-mère. Hein. Tiens. Vas-y. Non, enlève tes sapes. J'enlève mes sapes, regarde, j'enlève mes sapes. Voilà, aussi, hop, aussi, je mets mon slip. Vas-y. Voilà, vas-y. Penche-toi, cambre-toi. Ok. Vas-y. Attends, dis-moi c'est quoi? Ouais, mais non, voilà, tu l'attrapes bien par ses hanches. Ouais. Voilà, tu l'attrapes bien par ses hanches, et puis t'arrives. C'est quoi? Ah! C'est pas moi, putain! Vas-y. Oh là là! C'est parti. Et... Oh non, la moula! Si! Je pourrais voir. Ah, mais c'est quoi? La moula! Ah, mais t'as déjà craché! Ouais, désolé. Oh, non, il est pas fini, J'ai fini, cousin, je suis précoce. Putain, t'as baisé, hein. Non. Eh, Marquis, il va pas faire... Oh, j'ai envie de tout niquer, les gars. Merci, Clippy, hein. Tu nous as sauvé la vie, moi, Evan. Ah, putain. Non, c'est pour moi, en vrai, t'as pas fait grand-chose, mais... En fait, comme c'est toi, t'as fait une dinguerie. C'est le geste qui compte. un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Si. Dans le fond, je préfère mourir qu'être un pops. C'est des balances devant les cops. Fuck le mauvais côté droite. Zach est mort comme tous mes hops pour nous faire la guerre. Dis-moi y'a qui, aux hommes qu'on a roulé comme maquis. Mais moi, si on aime pour la 13, on te coupe la tête comme y'a.